Donc la dernière fois, j'ai longuement parlé de mesures stationnaires. Donc je vous rappelle un des énoncés principaux que j'ai donné, j'ai introduit un nouvel objet. Quand on a un groupe G, muni d'une mesure mu, qui agit, donc une mesure, je redis pas, c'est une mesure de probabilité, hein, qui agit sur un espace X muni d'une mesure de probabilité nu, et que nu est stationnaire, j'ai introduit une autre façon de voir nu, c'est-à-dire quand j'ai noté, donc ce sera toujours le cas dans tout l'exposé, dans toute la série exposée, B, l'espace produit muni de la mesure bêta, qui est la mesure produit, donc c'est l'espace des tirages aléatoires d'éléments indépendants, identiquement distribués dans G de loi mu. Et j'ai introduit un objet, donc c'est une application qui va B de nu B, qui va de grand B dans l'espace des mesures de probabilité sur X. Et cette mesure est la limite, donc le théorème c'est qu'elle existe, de la suite de mesures qu'on obtient en poussant la mesure nu par cette suite de transformations aléatoires, mais qu'on écrit dans le mauvais sens. Hein, normalement, quand on agit par des transformations, on a envie d'agir à gauche, et là on agit dans le mauvais sens, on pousse nu, et on a quelque chose qui converge, et ça c'est une conséquence du théorème des martingales de Doube. Et ce que j'ai dit, c'est qu'à vérifier une relation d'équivariance, donc T c'est le décalage, voilà, T c'est le décalage, et cette mesure, cette famille aléatoire de mesures vérifie une relation d'équivariance par rapport à l'application de décalage. Et donc, ce qui découle immédiatement de la définition. Voilà, donc ce que j'ai dit, c'est que pour quand on veut construire des mesures stationnaires, eh bien, on les construit comme des points fixes d'un opérateur, donc c'est pratique de les voir comme ça. Par contre, quand on veut, il apparaît dans le travail qu'on a produit avec Yves Benoît, que pour montrer des propriétés un peu fines de géométrie de ces mesures, c'est plus pratique de les voir de ce point de vue-là. Hein. Et les deux points de vue sont équivalents. C'est-à-dire que quand on donne une famille, une mesure, une famille qui vérifie cette propriété d'équivariance, la mesure nu et l'intégrale des nu de B, des bêta de B, est stationnaire. C'est immédiat, hein. Il n'y a pas de subtilité, quoi. C'est complètement immédiat. Voilà. Donc, dorénavant, hein, je jonglerai entre les deux points de vue. Alors, j'ai tout de suite donné des applications de cette construction dans le cadre... Oui. Qu'est-ce que c'est un décalage? Le shift, ce shift map. Ce shift map. Voilà. En français, des fois, on dit shift. Voilà. Mais quand on est très précis, là, j'ai fait deux exposés en anglais, donc aujourd'hui, je vais dire décalage. Voilà. Alors, voilà, donc j'ai donné une application de cette construction à l'étude des mesures stationnaires pour les marches aléatoires sur les groupes linéaires. Donc ce que je veux dire, c'est que je me suis intéressé au cas mu. Maintenant, c'était une mesure de probabilité sur le groupe GLV, où V était un espace vectoriel réel de dimension finie. J'ai noté gamma mu, donc ça c'est une notation que je garderai pendant tout l'exposé, hein. Le sous-semi-groupe. Donc le sous-semi-groupe engendré par le support de mu et j'ai rappelé un théorème de Fürstenberg qui dit que si, donc c'était Fürstenberg, donc si gamma mu est fortement irréductible, c'est-à-dire qu'il ne préserve pas de réunion finie de sous-espaces vectoriels dans V, si il est proximal, eh bien, alors, il existe une unique probabilité mu stationnaire nu sur P de V,
sur l'espace projectif de V. Et cette probabilité, eh bien, elle va hériter quelque part du fait que gamma mu était proximal, c'est-à-dire que bêta presque pour tout B, donc proximal, c'est-à-dire qu'on contient une transformation qui a un point fixe contractant dans l'espace projectif. Et bêta presque pour tout B dans B, nu B, la mesure de bord maintenant, est une masse de Dirac. Hein, c'est-à-dire la présence dans le semi-groupe de transformations proximales, donc de transformations qui ont tendance à contracter l'espace projectif sur un seul point, fait que ben, quand on fait des tirages aléatoires et qu'on les applique à une mesure nue, ça a tendance à la concentrer sur une masse de Dirac. Hein. Donc c'est pas très surprenant, mais bon, c'est pas si facile que ça à démontrer, mais c'est ce qui se passe. Et à la fin de l'exposé, j'ai évoqué ce qui se passait, parce que je vais l'utiliser. Dans le cas où le semi-groupe n'est pas proximal, on peut aussi dire ce qui se passe. Donc déjà, ce qui se passe quand c'est proximal, c'est que nu B, c'est la Mach de Dirac en psi B, et puis une fois qu'on sait ça, c'est assez, pour des raisons simplement de structure des grandes matrices, c'est assez facile de voir que toute valeur d'adhérence, alors presque sûrement pour sur B, hein, toute valeur d'adhérence de B1, Bn, sur la norme de B1, Bn, donc là, je normalise ma matrice, elle a tendance sans doute à être grande, mais je la normalise pour qu'elle ait norme 1, et maintenant ça me fait suivre de matrice norme 1, je peux extraire une sous-suite qui converge, et cette sous-suite, son noyau peut varier, parce que à gauche, à droite, je rajoute des nouvelles matrices à chaque étape, donc ça peut faire changer le noyau, ça peut tourner, par contre, à gauche, ben, ça a tendance à être déterminé. Et donc, c'est ce qui est bien ce qui se passe, c'est que toute valeur d'adhérence à cette matrice est d'image la droite xi b. Hein, xi b, c'est un élément de l'espace projectif, donc c'est une droite de l'espace vectoriel. Donc cette matrice, quand le temps est très très grand, hein, bien, si on prend une sous-suite qui converge comme opérateur linéaire, ça a tendance, le noyau, on ne sait pas trop où il est, hein, mais l'image, eh bien, c'est ce xi b. Et alors, ce qui va se passer quand gamma mu, j'ai conservé l'idée que gamma mu est fortement irréductible, ça c'est indispensable, mais quand gamma mu n'est pas proximal, j'ai introduit un invariant R, la dimension proximale de gamma mu. Donc ce qui est important, c'est que ça. Enfin bon, ce qui est important, c'est même pas très important, mais ce qui est remarquable, c'est que ça ne dépend que de gamma mu, ça ne dépend pas de la mesure. Hein, c'est juste un invariant du sous-groupe sur lequel vit la mesure. Ça ne dépend pas du tout de la mesure elle-même. C'est un invariant algébrique. La dimension proximale de gamma mu, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on a maintenant cette application xi, elle est toujours définie, mais au lieu d'aller de B dans l'espace projectif, elle va aller dans la Grassmannienne des R-plans de V. Elle vérifie la même relation d'équivariance, donc on va avoir xi de TB égale B1 puissance moins 1 xi de B, hein, c'est-à-dire que et on va toujours avoir cette propriété, ça c'est toujours vrai. Hein. Cette propriété elle est virée, mais ça veut dire que maintenant, ben comme gamma mu n'est pas proximal, il n'y a pas d'élément qui a tendance à contracter sur une droite, il y a des éléments qui ont tendance à contracter sur des R-plans. Donc on ne peut pas, ces matrices-là, quand on les prend en grand temps, elles ont tendance à contracter sur un R-plan et pas à contracter sur une droite. Mais enfin, ce n'est pas grave. C'est quand même très utile comme information. Et alors du coup, il n'y a plus d'unicité de la mesure stationnaire, hein, il n'y a pas de raison. Par contre, ce qui se passe, c'est que xi b, quel que soit nu, une probabilité stationnaire, mu stationnaire, sur PV, si je regarde bêta presque pour tout b, si je regarde le sous-espace projectif de PV engendré par le support de la mesure nu B, hein, j'ai cette mesure, donc si c'était proximal, eh bien je serais en train de dire c'est juste un point, ce support. Et quand c'est pas proximal, bah, ça va être contenu dans ce R-plan, et c'est plus précisément ce R-plan, c'est exactement le sous-espace projectif, hein, engendré par le support de la mesure nu B. Donc c'est égal à l'espace projectif du R' xi B. Hein. C'est-à-dire dedans, dans
mon espace projectif de V. Donc, par exemple, si on est en être en dimension 4, là, hein, et ce que je vais voir apparaître, par exemple, c'est des deux plans. Hein, et donc, les mesures nu B, dépendent de la mesure nu. Il y a plusieurs choix possibles. Par contre, leur support, il est engendré par cette, il engendre exactement cette droite projective. Voilà. Hein, c'est ça qui est, c'est ça le dessin. Hein, donc, typiquement, on peut penser au cas mu qui vit sur SL de C. Hein, que je considère comme un sous-groupe réel de GL4R. Voilà, et alors là, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est dans P3, hein, et alors la mesure, comme on préserve la structure complexe, on ne peut pas avoir des droites, hein, on a la structure complexe, donc on ne peut pas avoir des droites comme image. Ces endomorphies, ça va rester des endomorphies qui préservent la structure complexe. Donc nécessairement, les deux plans sur lesquels on contracte, les sous-espaces projectifs sur lesquels on contracte, ils sont de dimension paire. Et donc, on va avoir des droites complexes, mais du point de vue projectif réel, on voit comme des droites projectives. Enfin, c'est des points complexes. C'est des droites complexes, donc dans le projectif, ça nous fait des droites projectives, comme ça. Pardon, c'est. Oui, des. Enfin, bref, j'y arriverai plus. Voilà, donc c'est ça le dessin. Alors maintenant, quelque part, ce que je viens de définir, quand j'ai une grande matrice aléatoire, comme ça, ce que je viens de décrire, c'est un peu une propriété de direction. Hein, je sais où elle va aller, où elle va envoyer l'espace. Et maintenant, je vais étudier sa norme. Précisément, je vais étudier cette chose par laquelle j'ai divisé. Hein. Donc, c'est-à-dire que je vais essayer de montrer une loi des grands nombres pour la norme de la matrice. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que je sais... Alors, oui, déjà, une remarque, hein. C'est que ce que je viens de faire, je reviens en arrière une minute, ce que je viens de faire pour le semi-groupe, je peux l'appliquer au semi-groupe adjoint. Donc je regarde les adjoints de mes matrices, maintenant ça vit dans le groupe linéaire A2, l'espace vectoriel dual. Alors qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, ça va me décrire, hein, l'adjoint, parce que je vais savoir que quand je prends l'adjoint, comme ça, à chaque fois que je prends à chaque fois que je prends une valeur d'adhérence de cette matrice, eh bien, je connaîtrai son image. Mais connaître l'image de l'adjoint d'une matrice, c'est connaître son noyau. D'accord? Donc, l'énoncé automatiquement, en étudiant la marche aléatoire adjointe, j'ai un énoncé adjoint. D'accord? C'est-à-dire que cette matrice, c'est rien d'autre que l'adjoint de celle-là. Et donc, pour celle-là, quand je fais le produit dans ce sens-là, je connais l'image. Donc pour celle-là, je connais le noyau. Donc l'énoncé dual, c'est corollaire. Hein, c'est toute valeur d'adhérence. Donc bêta presque pour tout B, hein, mais je suis devenu un vrai probabiliste, donc je précise plus que c'est presque sûrement. A pour noyau. Et l'orthogonale de l'image de ça, c'est-à-dire j'ai que 6 étoiles de B. Ça, c'est un sous-espace vectoriel du dual. Donc, il faut que je prenne son orthogonal, qui est un sous-espace vectoriel de mon espace de départ. Hein? Voilà. Bon, ce qui compte, c'est que cette matrice, je ne sais pas du tout où elle envoie les points, et c'est complètement aléatoire. C'est-à-dire, elle peut envoyer les points n'importe où. Quand je suis une trajectoire, ça va tendance à se promener sur l'espace projectif. En revanche, je sais très bien où est son noyau. Alors, je vais utiliser ça dans une minute. La dimension d'optimale. La dimension, oui, absolument. La dimension, oui, c'est normal parce que ce que tu sais, c'est quand même que voilà, la dimension proximale d'un semi-groupe et de son adjoint, c'est la même. Donc maintenant, j'ai donné un théorème sur le comportement des normes. Donc c'est encore Furstenberg. Peut-être Furstenberg-Keston, celui-là. Mais peut-être que ça, c'était dans le cas proximal, hein, je ne sais plus. Mais bon, je ne sais plus qui est passé dessus. Peut-être Kiefer aussi. Pour le cas non proximal. Et donc le théorème est le suivant. Je prends mu, une probabilité sur GLV. Et je vais supposer que gamma mu
est fortement irréductible. Alors, et quoi d'autre? Oui, alors maintenant je vais montrer la loi des grands nombres. Je veux dire, je vais utiliser la norme de ces matrices. Alors pour montrer la loi des grands nombres, il faut une hypothèse d'intégrabilité. Hein. Pour montrer le théorème de Birkhoff, on travaille avec des fonctions intégrables. Pour montrer la loi des grands nombres, il faut l'espérance du premier moment soit finie. Donc je vais supposer, et l'intégrale, alors l'analogue de l'hypothèse que le moment d'ordre 1 est fini, la norme c'est multiplicatif. Donc c'est plutôt quelque chose, si je veux avoir un comportement additif, il faut que je regarde le log de la norme. Donc une hypothèse de moment d'ordre 1, c'est ça. L'intégrale sur GLV. Alors je demande que cette intégrale soit finie, mais alors la norme, ce n'est pas symétrique, donc je vais rajouter l'inverse. Et, peut-être que je vais prendre... Qu'est-ce que je vais... Il ne faut pas que je me plante. Donc j'ai demandé que l'intégrale de la norme soit finie. Et je vais aussi demander la même chose avec la norme de G-1. Voilà. Que j'intégrale. Ces deux intégrales. Je l'écris. Voilà. Ah, parce que je travaille sur GL. Je travaillerai sur SL, ce serait le même énoncé. Hein. Voilà, c'est juste que quand je travaille sur GL, il faut me supposer les deux. Donc je fais cette hypothèse d'intégrabilité qui est naturelle. Et alors il existe un nombre réel lambda, ce qu'on appelle le premier exposant Lyapunov de la marche aléatoire, tel que bêta presque pour tout B, élément de B, quand je regarde 1 sur n, le log de la norme de Bn, B1, ça tend vers lambda, quand n tend vers l'infini. Donc ça, c'est là un analogue du théorème de Birkhoff, ou de la loi des grands nombres. Hein. Et dans la loi des grands nombres, dans le théorème de Birkhoff, on sait que le nombre qu'on trouve, c'est l'intégrale de la fonction. Hein. C'est-à-dire que là, mais là, ce n'est pas une vraie fonction que j'intègre, ce n'est pas les itérés d'une fonction, ce n'est pas une somme de Birkhoff. Hein. Donc le nombre que je trouve, il se trouve qu'en fait, on a aussi... Bon, ce qui est assez élémentaire, on a lambda qui est égal à la limite quand n tend vers l'infini de l'intégrale du log de la norme de G par rapport à la mesure produit. C'est-à-dire que j'ai cette convergence, peut-être 1 sur n. J'ai cette convergence, donc c'est une convergence presque partout, mais elle vient avec une convergence des intégrales. Il y a un théorème de convergence dominée quelque part. Voilà. Et en fait, c'est aussi égal, là ça devient plus intéressant, non pas l'intégrale de la norme de la matrice, mais l'intégrale de la distorsion de la norme par la matrice sur n'importe quel vecteur. Hein? Donc c'est-à-dire que je prends la matrice et je regarde pas sa norme, mais je regarde comment elle augmente la norme dans une droite donnée. Hein? Et ça c'est pareil. Je fais la même intégrale et ça converge vers le même nombre. Et ça, c'est uniformément. Quand je prends un vecteur non nul dans l'espace vectoriel. C'est-à-dire que quand je regarde la façon, si vous voulez, quand vous regardez cette matrice-là, hein, quand je regarde la façon dont elle tord un vecteur, dont elle augmente la norme le long d'un vecteur, ben en fait, ça ne dépend pas tellement du vecteur. En général, on trouve à peu près la même chose, qui est la norme de la matrice elle-même. On est toujours dans les cas optimales. On est tout. Non, pas du tout. J'ai dit fortement irréductible, c'est tout. J'ai dit fortement irréductible. Et qu'est-ce que je vais effacer? C'est ça. Et alors là où il va apparaître une hypothèse de proximalité, c'est maintenant. Alors donc j'ai cette convergence uniforme ici, hein, donc que je vais utiliser dans une minute pour des phénomènes dynamiques. Et où apparaît la proximité? La proximalité, eh bien, la question étant de savoir, il y a une question naturelle, si vous voulez, c'est de savoir quelle est
le signe, si la mesure est dans SLV, hein, s'il n'y a pas de distorsion du volume, mais en fait, on veut se donner des conditions pour que ce lambda soit strictement positif. Voilà. Donc, c'est là qu'apparaît la proximalité. Donc, si gamma mu n'est pas compact, dans PGL de V, hein, c'est-à-dire que je prends, ce que je veux dire par là, c'est que je prends l'image de gamma mu, hein, et n'est pas relativement compact, pardon. Hein, je prends l'image de gamma mu, l'image projective de gamma mu, hein, et je demande qu'elle ne soit pas compacte. Et ça, cette hypothèse, c'est exactement équivalent à dire que la dimension proximale, hein, ça c'est par définition quasiment, la dimension proximale de gamma mu est strictement plus petite que la dimension de V. C'est-à-dire que ici, quand j'ai défini la dimension proximale, c'était la dimension, hein, la plus petite dimension de l'image, le petit tirant d'un opérateur linéaire qui soit dans l'adhérence de l'image de gamma mu dans l'espace projectif des endomorphismes. D'accord ? Donc, dire que cette dimension proximale, hein, ici, dire que ça, c'est plus petit que la dimension de V, c'est exactement équivalent à dire que gamma mu est relativement, donc je devrais dire R étoile gamma mu, est relativement compact dans PGLV. Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, hein, c'est que dès que, quand gamma mu est relativement compact, eh bien, le log de la norme, ben, c'est complètement proportionnel au déterminant. Hein? Si j'ai une matrice, le log de la norme d'une matrice qui est comme isomique, comme à transformation projective, vit dans un groupe compact, le log de la norme, hein, quand gamma mu est relativement compact, si gamma mu, si la dimension proximale est égale à la dimension de V, eh bien, le log de la norme de G, c'est rien d'autre que des fois le log, peut-être 1 sur des fois plutôt, hein, serait mieux. Ou D, c'est la dimension. C'est quand vous avez une matrice, la partie compacte ne compte pas pour le calcul de la norme, il ne vous reste plus que la partie scalaire, et la partie scalaire, elle vérifie cette propriété. Alors je triche un tout petit peu, parce que évidemment la norme, c'est, j'ai une partie compacte, ça ne veut pas dire qu'elle préserve la norme. Hein. Donc c'est à des constantes près. Voilà. Si la norme est invariante par la partie compacte. Mais essentiellement, c'est le même comportement asymptotique. Donc cette quantité, ici, si gamma mu a une image relativement compacte dans le projectif, cette quantité, elle est complètement calculée par le déterminant. Et donc la propriété forte, c'est que si la dimension proximale de gamma mu est strictement plus petite, si on n'est pas relativement compact dans le PGL, alors lambda est strictement plus grand que 1 sur d, l'intégrale du log de la valeur absolue du déterminant. Hein? C'est-à-dire, si on était relativement compact dans PGLV, on aurait égalité. Hein? Mais la réciproque est vraie. C'est-à-dire qu'il y a une expansion. Donc en général, là je vous fais la version vraiment complexe, quoi. En général, on étudie les matrices dans SL, hein? Dans SLN. Mais l'endroit où on utilise SLN, c'est juste pour dire que cette intégrale vaut 0. D'accord ? Donc si la matrice vit dans SLN, cette intégrale c'est 0. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que cet exposant d'augmentation qui gouverne la taille des normes est strictement positif. C'est ce qu'on appelle la positivité du premier exposant de Lyapunov. Et c'est un énoncé qui n'utilise pas SLN en fait. Ce qu'il utilise, c'est juste cette propriété. Hein, c'est un énoncé, en fait, c'est un énoncé sur quelque chose qui se passe dans les transformations projectives. D'accord ? Donc voilà. Là, je l'écris comme ça, là, je fais du super général. Hein. Mais voilà, on va l'utiliser que quand la mesure vira dans SL, auquel cas, ça fait zéro. Et ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a de l'expansion. Et c'est ça le point clé dans les théorèmes d'équidistribution des marches aléatoires en espace homogène que j'ai raconté l'autre jour. Le point clé, hein, c'est que, ben, on a tendance, quand on a une marche aléatoire sur un groupe semi-simple, donc elle vit dans SLN, et à ce moment-là, comme elle vit dans SLN, ben, on prend n'importe quel vecteur, et en temps grand, eh bien, on a tendance à augmenter sa norme, quel que soit le vecteur. Il y a une expansion uniforme. Et ça, c'est le point clé, c'est là qu'on utilisera partout semi-simple. D'accord ? Excuse me,
Couldn't you say something stronger? Because if you have a measure which is symmetric, then it's still zero, right? No, absolutely not. Because when the measure is symmetric, this is not the same. But then you have generic. No, but norm is not additive. The norm is not additive. The point. No, but that's. I thank you for this question. Le point, c'est que la norme n'est pas additive. Hein? Évidemment, si la norme était vraiment additive, on ne pourrait pas avoir cette expansion. Ce qu'elle traduit, what this says, is that in general, you see what happens is that you would like to say that the norm of G times D minus 1, this is 1. And this is true. But is this. You have norm of determinant, not norm of G. This is what confuses. No, but here I'm computing norms, precisely. This is what happens. And here I'm. This is additive. Yes. Okay? But I'm concerned with norms. Okay? And what I'm saying is that, okay, the measure is symmetric. When you take such a product, the norm is 1. Yes. But what happens is that your group is irreducible. So in general, you will have products of this form. And the norm of the product of this form, this is more or less the norm of G times the norm of Neff. Times the norm of G minus. In general, for most of the elements you will find, so that would this be an additive function? Would this be a character of the group? This norm would be the norm of F. But as soon as F puts everything in general position, what you get is this norm. And this norm is very large. And this is what happens. Okay? Okay, so, pardon, je reviens en français. Voilà, j'ai démontré ce théorème. Et essentiellement, hein, ça va être une traduction de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la propriété des noyaux. C'est-à-dire que quand je fais un grand produit comme ça, eh bien essentiellement, je suis en train de récupérer, quand je normalise, hein, ce que je récupère, c'est une matrice dont je connais très bien le noyau. Hein, et donc, dès que V ne sera pas dans ce noyau, bah, il va avoir tendance à être bien dilaté. C'est ça le... ce qui est derrière ce résultat. C'est un petit calcul d'algèbre linéaire. Je vais faire un lemme, hein, qui dira la chose suivante. Je suppose que j'ai une suite Gn incluse dans GLV. Donc oui, alors à chaque fois, je mets une norme, et puis je n'ai pas dit quelle norme je prenais, mais tous ces énoncés, c'est quasiment évident qu'ils sont invariants par changement de norme. Hein. Dans tous ces énoncés, la norme qu'on a choisie sur l'espace vectoriel ne compte absolument pas. C'est pour n'importe quelle norme. Le lambda ne dépend pas de la norme. Parce que comme c'est l'équivalence des normes quoi, qui me dit ça. Voilà. Donc je prends une suite Gn dans GLV et je suppose que toutes les valeurs d'adhérence... Je choisis un sous-espace vectoriel W dans V. Et je suppose que toutes les valeurs d'adhérence de Gn divisé par la norme de Gn ont pour noyau W. Donc exactement une suite, je suppose exactement que ma suite, elle vérifie cette propriété. Alors, donc ça, c'est quasiment évident ce lemme. Alors, pour tout vecteur V qui n'appartient pas à W, hein, il existe un epsilon strictement positif, tel que, quel que soit N, quand je prends la norme de GnV, eh bien c'est plus grand que epsilon, la norme de Gn, la norme V. D'accord, hein. C'est-à-dire que, en général, quand on calcule la norme d'une matrice contre un vecteur, hein, bah, sauf si on l'a vraiment fait exprès, c'est donné par la norme de la matrice fois la norme du vecteur. C'est ça que dit ce lemme. Donc, la démonstration, bah, c'est essentiellement regarder ce qui se passe dans la décomposition de Cartan, dont j'ai parlé la dernière fois. Et je peux même dire, hein, que et epsilon
est uniforme. En fait, cet énoncé est un énoncé projectif, hein, puisqu'il ne dépend pas du multiple de V que je choisis. Et cette epsilon est uniforme sur les compacts de l'espace projectif de V privé de celui de W. Ce que je dis, voilà, j'ai mon espace projectif, là. Là, j'ai PW qui est interdit. D'accord ? Et à chaque fois que je prends un petit compact de l'espace projectif de PV qui ne rencontre pas PW, eh bien, j'ai une minoration de ce type qui est uniforme sur mon petit compact. Voilà, donc la démonstration, c'est complètement élémentaire. Hein. Voulez-vous expliquer la seconde ligne ? Deuxième ligne ? Toutes les valeurs ? All the limit points of this, you have a sequence of matrices which have all norm 1. So I'm assuming that they have all the limit points have the same kernel. Okay, exactly what I had here. So I will apply this lemma to this sequence of matrices. Okay. So la démonstration, j'écris Gn sous la forme Kn An, Ln, c'est la décomposition de Cartan. Donc Kn et Ln, ils appartiennent à SOD. Donc j'ai pris OD peut-être. Voilà. Et An, ben, qu'est-ce que c'est? Donc je vais noter R, hein, la codimension de W. Donc An, elle est de la forme AN1, AND, avec AN1 qui est plus grand que blablabla, qui est plus grand que AND, c'est des nombres strictement positifs. Et l'hypothèse, l'hypothèse, elle se traduit exactement sous la forme que il existe un θ strictement positif, tel que ANR est plus grand que θ fois AN1. Hein. On ne peut pas voir apparaître un trou entre la RIM et la R plus 1M parce que comme notre matrice, sinon on trouverait des valeurs d'adhérence qui contracteraient plus. D'accord, hein, si le défaut entre si ANR il devenait négligeable devant AN1, ben, il y aurait des matrices on pourrait extraire une sous-suite et trouver une suite comme ça où le noyau serait de dimension 1 de plus. D'accord ? Donc le fait que la dimension ici est fixe, hein, me dit que j'ai nécessairement une propriété de ce type-là. D'accord ? Et maintenant, non seulement la dimension est fixe, mais en plus, l'espace vers lequel on contracte, l'espace noyau qui apparaît est fixé. Donc je suis en train de dire exactement que Ln, hein, donc j'ai pris, hein, j'ai supposé que V c'était RD, quoi, quand j'ai écrit ça. Et ce que je suis en train de dire, c'est que l'espace qui apparaît comme noyau est fixé. Donc je suis en train de dire que Ln-1 de 0 croix R puissance D moins R tend vers W. D'accord, hein, l'hypothèse, elle dit exactement ça. C'est pareil. Ln-1 Le noyau, hein, si j'ai un machin qui s'écrit F, qui s'écrit GL, le noyau de F, c'est L-1 du noyau de G. Hein, voilà. Donc c'est bien Ln-1 ici qui apparaît. Voilà, donc l'hypothèse c'est ça. C'est pareil. Hein. Et donc maintenant, bah, quand je veux calculer ce que j'ai fait tout ça, c'est ça qui est formidable avec la décomposition de Cartan, c'est que quand on a des calculs, on se ramène tout de suite à calculer avec cette matrice-là, où c'est quand même beaucoup plus facile de faire les calculs. Hein. Donc maintenant, eh bien, quand j'ai mon vecteur V maintenant, V, il s'écrit V1, VD, et puis à cause de cette propriété, comme je sais que V, il n'appartient pas à W, eh bien je sais que pour N grand,
Eh bien, V. Donc, quitte à remplacer, peut-être, j'ai toujours... j'ai trop obligé de faire comme ça. Zut. Je sais quoi. Je sais que LNV, alors j'ai plutôt, voilà, j'ai pas... LNV, je vais l'appeler... zut, c'est pas pratique. LNV, je vais l'appeler WN, ok. Et mon hypothèse, elle dit que bah, pour N très grand, WN, la distance de WN à le 1 sur N très grand, un certain N0, la distance de ce vecteur WN à 0 croix R puissance D moins R est strictement positif. Mes vecteurs ici, à cause de cette propriété, puisque V ne s'approche pas de l'espace W, quand je lui applique Ln, je ne vais pas. Hein, moi, j'ai une décomposition là. R puissance R, R puissance D moins R. Il y a cet espace qui est interdit, parce que c'est là où on a tendance à contracter, mais mes vecteurs Wn, ils sont ici. D'accord? Et à ce moment-là... Pardon? À ce moment-là, quand je veux calculer la norme de GNV, eh bien, c'est rien d'autre que la norme de AN WN. Et ça, c'est un calcul immédiat que, puisque j'ai cette propriété et que le vecteur WN ne peut pas s'approcher de l'espace R puissance D moins R, ça, c'est plus grand qu'un epsilon, hein, alors qui dépend de ce 1 ici, fois la norme de AN, la norme de WN. Hein, c'est juste la formule pour la norme, quoi. Je ne l'écris pas, mais hein, c'est juste... ça va? Voilà. Et donc maintenant, bah, ça, maintenant, ça, c'est rien d'autre que epsilon, la norme de GN, fois la norme de V, et c'est ce que je voulais. Ça va? J'étais trop vite ou... Voilà. Donc ça, c'est le point clé, hein. Voilà, donc ici, on n'a pas besoin de proximal. Hein. Ce qu'on a besoin, c'est savoir juste que quelque part, il y a un exposant R fixé, quoi. Hein, c'est ça qui se passe. Voilà, alors maintenant, comment ça se traduit pour démontrer le théorème de Fürstenberg? Eh bien, je vais quand même faire un tout petit peu de théorie ergodique. Donc, démonstration du théorème maintenant, de Fürstenberg-Kesten. Je vais regarder, j'ai appliqué ce lemme, et pour ça je vais commencer par introduire, donc montrer qu'il y a quand même, je vais appliquer le lemme ensuite, mais il faut déjà que je sache qu'il y a des points pour lesquels j'ai une convergence, et ensuite le lemme me servira à montrer que grosso modo la limite ne dépend pas des points. Alors comment je vais faire? C'est là que je vais utiliser la théorie ergodique. Donc je vous rappelle, ça va, c'est proche des constructions qu'on a fait la dernière fois. Je vais définir je considère B qui est l'espace de Bernoulli. Je fais le produit avec l'espace projectif. Et puis je vais définir une transformation. Hein, c'est-à-dire, cette transformation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, associée au choix de la mesure mu, on a défini, à partir de cette mesure, on a défini les chaînes de Markov sur PV. Hein. Et la dernière fois, je vous ai dit que quand on avait une chaîne de Markov, il y avait un système dynamique associé. Hein, et que les mesures invariantes de l'un, ça correspondait à des propriétés sur les mesures invariantes de l'autre, etc. Hein. Donc c'est juste ce système dynamique-là. Alors, en théorie des groupes, ce qui se passe, c'est que cette système dynamique était définie par les mesures de Markov. Quand la chaîne de Markov vient de l'action d'un groupe muni d'une mesure, les mesures de Markov, elles ont une construction uniforme. Hein, donc c'est ça que je suis en train de dire. Bon, si vous n'avez rien compris, c'est pas grave. Parce que, de toute façon, le système dynamique, je peux le définir indépendamment des constructions que j'ai faites la dernière fois. Mais c'est le même système dynamique que celui que j'ai construit la dernière fois. Donc, je prends B, un point xi. Je dénote x, je crois, les points dans l'espace projectif. Bx. Et je décale B, et la première coordonnée, je l'applique à X. Hein. Donc ça, c'est standard. Dès qu'on a un espace avec une action du groupe, eh ben, ce système dynamique est défini. Et puis, il préserve, hein, c'est ça une mesure stationnaire, il préserve la mesure de probabilité bêta tenseur nu. C'est ça dire que nu est stationnaire. Alors, qu'est-ce que c'est que nu? Oui, alors comme ce n'est pas nécessairement proximal, je choisis hein, où nu est une mesure... mu proximal.
mu stationnaire, ergodique. J'en choisis une. Et je sais que ça existe puisque j'ai un espace compact. Donc puisque c'est compact, il y a des mesures mu stationnaires. J'en prends une. J'ai un beau système dynamique et puisque je l'ai choisi ergodique, ce qui existe toujours aussi, eh bien c'est un système dynamique ergodique. Et je vais lui appliquer le théorème de Birkhoff pour une fonction bien particulière. Donc la fonction bien particulière, c'est celle qui apparaît là. C'est-à-dire, je définis phi de b et de x comme étant la distorsion de la norme lors de ce processus. Donc c'est la norme de b1v divisée par norme de v. Où v, x c'est une droite, et je prends un vecteur non nul dans cette droite et la construction ne dépend pas de la norme. Cet objet, c'est un cocycle. Ça. Quand vous regardez ça comme une fonction d'un élément du groupe de l'espace projectif, il vérifie une propriété de cocycle. Et alors, partout, en produit de matrice aléatoire, etc., ce cocycle apparaît. Il est vraiment complètement lié à cette structure. Et c'est quelque chose qui existe en géométrie aussi. C'est ce qu'on appelle le cocycle de Boosman. C'est-à-dire, en géométrie hyperbolique, que par exemple, la dimension de V est 2, la norme, c'est la norme euclidienne. Donc, le choix de la norme euclidienne, c'est le choix d'un point dans le plan hyperbolique. Et puis, maintenant, j'ai un élément du groupe, une droite à l'infini. Et puis, l'élément du groupe, quelque part, il y a un B1 moins 1 de O. Et donc, au signe près et au facteur près, cette quantité, c'est le cosique de Boosman vu de X en O B1 moins 1. Donc, cette propriété de cosique, c'est... Voilà, il y a cette grandeur géométrique là qui est présente partout en géométrie à courbure négative et qui apparaît ici d'un point de vue produit de matrice. Mais c'est la formule, quoi. Toute la théorie des groupes un peu quantifiée comme ça repose sur l'étude de cette formule. Voilà, bon, ça avance pas à grand chose peut-être ce que je dis là. Voilà, bref, donc je reviens, oubliez cette parenthèse, c'était juste comme ça, là j'aime beaucoup cette formule, alors ça me rend lyrique. Donc qu'est-ce que je dis ? Bien, je dis que mon hypothèse d'intégrabilité, me dit exactement que phi, elle appartient à L1 de B croix PV, munie de la mesure bêta tenseur nu. Donc c'est une fonction intégrable, donc je peux lui appliquer le théorème de Birkhoff. Et le théorème de Birkhoff me dit que quand je prends, comme j'ai fait gaffe à prendre quelque chose d'ergodique, quand je prends 1 sur n, eh bien, je fais la somme de Birkhoff de cette fonction, et c'est là qu'apparaît la propriété. La propriété de cosique me dit exactement que la nème somme de Birkhoff de cette fonction, c'est ça. Et donc ça va converger vers lambda, bêta tenseur nu presque sûrement, et dans L1. Voilà, et qu'est-ce que c'est que lambda ? Ou lambda, c'est rien d'autre que l'intégrale, donc pour l'instant sur B croix PV, de phi d bêta tenseur nu. Voilà ce que c'est que lambda, c'est l'intégrale de cette quantité. Et donc le théorème de Birkhoff me vend une convergence de ce type. Alors pour l'instant, dans cette convergence, c'est celle-là. D'accord, et dans cette convergence, le V, c'est pas n'importe quel V, c'est un point dont la droite est choisie dans un ensemble de mesures 1 pour la mesure nue. Pour l'instant, j'ai pas l'uniformité et j'ai pas une convergence de ce type. D'accord, j'ai pas une convergence des normes. Alors, la convergence des normes, je vais l'obtenir avec mon fameux lemme. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je suis en train de dire que quand je prends cette quantité, pour presque, où IV est différent de 0, V appartient à X, pour presque tout nu, pour nu presque tout X, dans un ensemble de mesures 1 pour la mesure nu, cette convergence a lieu. D'accord ? Mais maintenant, d'une part, cette quantité-là, elle est plus petite que 1 sur N,
le log. Voilà, elle est plus petite que le log de la norme, déjà. Donc je sais que la limite inf de ce log est plus grande que lambda. J'ai une première information. Maintenant, grâce à mon lemme, je vais avoir une majoration dans l'autre sens. Parce que comme je sais, hein, je sais que le noyau de toute valeur d'adhérence de Bn, blablabla, B1, divisé par la norme de Bn, B1, eh bien c'est égal, et alors je vais le noter état de B, hein, qui ne dépend que de B. Il y a un espace comme ça. D'accord ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça, voilà. C'est état de B, c'est celui-là. Bon, et bien maintenant, moi ce que je prétends, c'est que je peux choisir X en dehors de état de B, dans cette convergence. Pourquoi ? Eh bien, si la mesure est proximale, alors, de manière générale, hein, pourquoi on peut choisir X en dehors de état de B ? Alors, je vous rappelle que j'ai montré la dernière fois un lemme qui disait que quand on avait une mesure stationnaire sur l'espace projectif d'une représentation fortement irréductible, elle ne chargeait pas les sous-espaces projectifs. D'accord ? Donc, NB. Hein. Je rappelle qu'on a, donc, on a cette application psi qui date de B dans la Grassmannienne. Alors disons, on va traiter le cas R égale 1. D'accord ? Dans le cas R égale 1, psi, elle va de B dans l'espace projectif de V. D'accord ? C'est-à-dire, en fait, je devrais plutôt parler, parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'étude de psi maintenant, c'est l'étude de état. Hein. Donc j'utilise le fait que état, c'est le psi pour la représentation adjointe. D'accord ? Donc, enfin, pour le semi-groupe adjoint. Donc là, en fait, je suis en train de travailler dans le dual. D'accord ? Hein ? Mais bon. Donc, quand on a cette propriété, eh bien, on sait que l'intégrale de la masse de Dirac, la mesure image, psi star de la mesure bêta, nu, c'est une mesure, c'est stationnaire. Donc le lemme que j'ai démontré la dernière fois sur les mesures stationnaires sur les espaces projectifs pour les actions fortement irréductibles me dit exactement ce que j'ai dit, c'est que quel que soit W inclus dans V, un sous-espace propre, eh bien la mesure bêta de l'ensemble des B tel que xi B appartient à W est égal à 0. Hein, j'ai démontré un lemme qui disait ça la dernière fois. Parce que ça, c'est rien d'autre que nu. D'accord ? Donc j'ai démontré ça la dernière fois. Donc dans le cas, ça, c'est le cas proximal. Mais quand j'ai R quelconque, eh bien, maintenant, quand je regarde xi star de bêta, eh bien, c'est une mesure stationnaire. Non plus sur l'espace projectif, mais sur la Grassmannienne. D'accord ? Bon, mais la même propriété est vraie. C'est-à-dire que, de toute façon, la Grassmannienne, ça vit dans un espace projectif, quelque part. Hein. Donc, de toute façon, si vous reprenez la démonstration que j'ai faite pour les actions sur les espaces projectifs, elle passe aux Grassmanniennes. Et donc, par le lemme analogue, ou bien on passe dans le projectif, on fait ce qu'on veut, on passe dans la puissance extérieure, en tout cas, la même démonstration que la dernière fois, donne que quel que soit W, un sous-espace strict de V, eh bien, si je regarde bêta de l'ensemble des B dans B, tel que l'espace xi de B est inclus dans W, cette mesure est nulle. Hein ? Ça, c'est le cas non proximal. Donc, ce que ça me donne maintenant en termes de état, en particulier, hein, ça c'est une propriété sur la distribution du xi dans le dual. Et donc, maintenant, je dualise. Et ce que ça va me donner, c'est que, en particulier, eh bien, quel que soit X appartenant à PV,
La mesure de l'ensemble des B dans B, la mesure bêta telle que X appartient au état de B, est égale à 0. Hein, c'est juste le cas, je passe dans le dual, hein, cette propriété X appartient à état de B, mais là, c'est la même chose que dire que Xi étoile, ce que j'ai noté avec Xi étoile B, est inclus dans l'orthogonale de X, dans le dual. D'accord ? Donc c'est pour ça que ça, c'est exactement ça. Hein ? Et ça, donc ça, précisément, ça vient d'une étude, hein, cette propriété, c'est une traduction du lemme que j'ai donné sur les mesures stationnaires pour les actions fortement irréductibles, appliquée à la Grassmannienne des R-plans du dual, en fait. C'est dans cet espace qu'on montre cette propriété. D'accord ? Donc là, il y a un jeu de changement d'espace, etc. Mais voilà. Donc cette propriété, elle découle juste du lemme d'irréductibilité que j'ai donné la dernière fois, appliqué dans cette Grassmannienne, en réalité. Et on en déduit cette propriété. Donc cette propriété me dit quoi ? Elle me dit que dans ma convergence qui est ici, eh bien, c'est une convergence qui a lieu presque partout pour une mesure produit. Hein ? Donc ce que je suis en train de dire, c'est que nu, presque pour tout X appartenant à PV, bêta, je fais un Fubini maintenant, bêta presque pour tout B appartenant à B, quand je prends cette quantité, où V est un vecteur de X, eh bien elle tend vers lambda. D'accord ? Mais maintenant, je peux choisir X puis choisir B. C'est ça une mesure produit. Donc particulièrement une fois que j'ai choisi X, eh bien pour presque tous les B, d'accord, je sais que X n'appartient pas à état de B. À cause de ma propriété ici. Pour presque tous les B, X n'appartient pas à ce sous-espace de codimension R où la norme se calcule mal. Donc, par le lemme, il existe epsilon qui dépend de B, hein, tel que quel que soit N, eh bien cette quantité, elle est plus grande que la norme de BNB1. D'accord ? C'est le lemme. Et donc je sais, hein, donc maintenant je sais aussi que la limite sup de 1 sur N log de la norme de BNB1, ben c'est plus petit que lambda. Donc du coup, je sais que cette quantité tend vers lambda. Ok ? Hein ? Le point clé, voilà, c'est que quand on calcule le log de la norme d'une matrice, l'irréductibilité nous sert à dire que pour pratiquement, il y a un espace qui n'est pas bon, là, pour le calcul de la norme, mais quand on prend un V fixé, ben, il n'est jamais dans l'espace pas bon à cause de l'irréductibilité. Voilà. Alors du coup, j'avais quelque chose qui dépendait du vecteur. Maintenant, j'en ai fait. Donc, ce que j'ai dit, hein, là, je viens de montrer. Celui que j'ai effacé l'énoncé, c'est ça, c'est pas malin. J'avais quelque chose qui dépendait du vecteur. Ben, je viens d'en démontrer. Hein, je viens de démontrer cette propriété que en fait, cette quantité-là, eh bien, elle converge vers lambda. Voilà. Presque sûrement, et ça ne dépend plus du vecteur. En particulier, le lambda, il dépendait a priori de la mesure stationnaire nue. En fait, il ne dépend pas. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs mesures stationnaires, mais ma fameuse fonction phi, elle a la même intégrale pour toutes les mesures stationnaires. C'est un phénomène un peu rigolo. Et voilà, donc maintenant, il faut que je démontre que c'est vrai aussi quand j'évalue sur un vecteur. Bah, quand j'évalue sur un vecteur, c'est pareil. Maintenant, si je reprends un x dans PV quelconque, et V dans X, hein, que je vois comme une droite, eh bien, j'ai encore une fois, je sais que bêta presque pour tout B, X n'appartient pas à état B. D'accord ? Donc, de nouveau, je réapplique mon calcul dans l'autre sens. Ben, je sais, hein ? Donc, je sais que il existe epsilon, et donc il existe epsilon. Et donc, par le lemme, il existe epsilon, tel que epsilon, la norme de B1, Bn, fois norme de V,
plus petit que la norme BNB1, BNB1, de BNB1V, plus petit que norme de V. OK ? Et donc, du coup, le comportement de ça, c'est le comportement de ça. D'accord ? Ça, c'est le hein ? Voilà pourquoi le comportement, en fait, est le même qu'on regarde la norme ou la norme des vecteurs. C'est, le point clé, c'est celui-là. Hein ? C'est qu'on n'appartient pas... Il y a un sous-espace de codimension R, là, qui n'est pas bon pour le calcul de la norme, mais presque sûrement, on n'y appartient pas. Voilà. Alors, je vais terminer là. Donc là, c'était les propriétés de convergence presque sûres. Maintenant, il faut que je démontre des propriétés de convergence en moyenne. Donc, je veux montrer... Alors d'abord, comment on montre une convergence en moyenne quand on a une convergence presque sûre? Eh bien, on applique le théorème de convergence dominée. Et j'ai donné une version un tout petit peu différente de la version qui est d'habitude. Donc, c'est un... Bon, enfin, c'est pareil. Si vous avez une suite Fn qui converge vers F simplement, et s'il existe une suite Gn qui converge vers G dans L1, d'accord, et que la valeur absolue de Fn est majorée par Gn, hein, donc en général, dans les cours de proba, de théorie de la mesure, Gn ne dépend pas de N, d'accord. Mais si vous avez une convergence dans L1, il n'y a aucun problème. La même démonstration, hein, je veux dire, il n'y a rien de subtil, hein, c'est pareil. Eh bien, alors, Fn converge vers F dans L. D'accord ? Bon, bah alors, je vais appliquer ça à ça. Hein, d'abord, pour la convergence de cette intégrale, ici, maintenant, je prends ma suite, ma convergence presque sûre, mon Fn, c'est cette suite-là, qui est une suite sur l'espace B, d'accord ? Une suite de fonctions sur l'espace B. Et... qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si je regarde 1 sur n, donc je vais poser n de g, c'est le max de la valeur absolue du log de norme de g et de la valeur absolue du log de norme de g puissance moins 1. Et donc, en particulier, quand je regarde la valeur absolue, pourquoi je m'embête avec le log de g moins 1? Là, j'ai un doute tout à coup. Ouais, ça doit être bien. Bon, bah, donc, le valeur. C'est bizarre ce que j'écris là. Ça doit suffire, ça. Quelque chose comme ça. Hein, le log de la norme de G. Donc, c'est log de. C'est bizarre ce que j'écris là, tout à coup là. Non, ça, voilà, non, c'est ça que je veux écrire. C'est que c'est le max du log de la norme de G. Voilà, c'est toujours positif, ce truc. Pardon, voilà, c'est que la norme de l'inverse, c'est pas l'inverse de la norme, quoi. Voilà, c'est ça que j'écris. Je donne N de G, c'est ça. Donc la valeur absolue du log de norme de G, c'est plus petit que N de G. Donc quand je prends mon machin qui apparaît ici, là, 1 sur N, le log... de BNB1, qui est ma suite Fn, et ben ça c'est plus petit que quoi? C'est plus petit que 1 sur n log de n de Bn plus log de n de B1. Hein, donc, et là-dessus, donc ça c'est Fn sans log. Ah, j'ai mis un log déjà. Ah non, c'est pas bien. On va enlever le log ici. Que nous, on le note comme ça, sans le log dans les papiers. Alors, si jamais je fais ça, je vais me planter après. Voilà. Donc, là, c'est bon. Voilà. Donc, ça, c'est Fn et ça, c'est Gn. Donc, ça, ça converge dans L1 par le théorème de Birkhoff classique, associé à des fonctions réelles, quoi, standard. Et ça, bah, du coup, c'est dominé. Ça converge simplement. Et puis, ça converge dans L1. Alors, du coup, ça converge aussi dans L1. OK ? Et exactement... Pourquoi? Il y a quelque chose d'un peu bizarre là-dedans, là. Ah non, mais parce que... Non, mais je suis en train de m'embêter pour rien. Il n'y a pas besoin de prendre n, là, pour ça. Excusez-moi. C'est que n, c'est quand on prend des vecteurs. D'accord?
c'est quand on prend le log de la norme de GV divisé par norme de V, eh bien, ça, c'est plus petit. La valeur absolue de ça, voilà, je me suis emberlificoté les patins. C'est le problème quand on connaît un truc par cœur. J'ai sauté une étape. Là, il n'y avait pas besoin de prendre le N ici, parce que la norme de AB, c'est plus petit que norme de A, norme de B, quoi. Hein? Voilà. Ce qui est important ici, c'est celui-là qui va être majoré par log de N de G. Voilà. D'accord. C'est pour ça que j'ai besoin de la norme de l'inverse. D'accord. Donc, ce qui compte, hein, voilà, c'est ça. Et alors, une fois que vous êtes là, eh ben, c'est pareil. Hein. Là, je vais avoir un Fn, quand je fais Bn, B1, et puis là, j'ai un Gn. Rebelote, le théorème ergodique classique ou la loi des grands nombres classiques me dit que le Gn, il converge en L1, donc le Fn converge en L1. OK. Et alors, ça, c'était... Ça, c'est pour avoir, hein, donc ça me dit tout de suite que, en fait, moi, je voulais annoncer qu'il y avait une certaine intégrale qui était l'intégrale du log de la norme de GV sur norme de G des mu étoile n de G qui doit tendre vers lambda, mais en fait beaucoup plus c'est vrai, c'est-à-dire que en fait cette intégrale converge parce qu'elle vient d'une convergence dans L1. Hein? C'est que cette suite de fonctions, log de Bn, B1, V sur norme de V, eh bien cette suite de fonctions à V fixée, cette suite dans L1 converge. 1 sur N, pardon. Converge vers lambda dans L1. OK. Et je vous ai dit aussi que c'était uniforme en V. Donc pour montrer que c'est uniforme, une technique, c'est juste de prendre un V maintenant qui est autorisé à bouger, hein, ou Vn, il appartient à une droite xn, et puis on peut toujours... Et la question, c'est montrer que ça converge encore. D'accord. Quitte à extraire, on peut toujours supposer que xn y tend vers x. OK. Et à ce moment-là, alors est-ce que j'ai été malin? Alors si je suis malin. Zut, je suis pas malin, je l'ai effacé. Quand xn tend vers x, eh ben vous savez que presque sûrement, dès que le x, hein, si xn il tend vers x, presque sûrement, x il appartient pas à état de b. D'accord? Donc vous savez que la norme de bn, b1 vn, eh ben ça va toujours être plus grand qu'un epsilon à la norme de bn, b1. Norme de Bn, voilà. D'accord. Et donc, du coup, le epsilon, bien sûr, il dépend de B. Mais sur un ensemble de mesures énormes de B, bah, il est le même. D'accord. Donc, vous enlevez ce petit ensemble de mesures qui ne compte pas beaucoup, hein, et vous en déduisez la convergence uniforme juste avec cette propriété. J'ai besoin de détailler ou j'ai été trop vite, peut-être? La convergence uniforme, c'est un gag, c'est facile, quoi. Je veux dire, c'est juste le fait que quand vous avez cette propriété, hein, ben, comme cette inégalité, je vous ai dit, qui a été uniforme en V, on peut s'autoriser à bouger un petit peu V dans cette inégalité. Hein. C'est pour ça que j'ai fait attention tout à l'heure à bien dire dans l'EM que c'était une propriété qui pouvait être rendue uniforme en V dès que V était dans un compact, hein, du complémentaire d'un petit hyperplan. Alors voilà, c'est pour, parce que c'est pour avoir la convergence uniforme ici, ça, on en déduit. C'est le même N, voilà. Voilà, c'est parce que tu vois, là, je veux montrer une convergence uniforme, donc il faut que je rajoute un paramètre. Voilà. Bon, je ne veux pas m'étendre parce que ce n'est pas le point le plus important. C'est un petit calcul, c'est le point clé, disons. Pour avoir la convergence simple, j'espère que peut-être j'étais assez vite, mais vous m'avez compris. Pour la convergence uniforme, il faut juste partir du fait que ben, on a cette identité où on peut s'autoriser un petit peu à bouger le vecteur. Et donc ça fait que on peut gagner la convergence uniforme comme ça. Voilà, je vous ai fait tous les produits de matrice aléatoire en 2 heures. Donc c'est normal que vous ne compreniez plus rien. C'était trop vite. Non, ça va? Ou vous avez des questions sur les produits? OK. Alors je vais appliquer tout ça maintenant. Je vais revenir. Maintenant, ce que je voudrais faire. Vérifie que je n'ai pas dit. Ah, j'ai oublié la positivité. J'ai oublié pourquoi. Si on n'était pas compact projectivement, on était positif. Alors ça, c'est 1 minute. Le point clé est le suivant. Donc lambda, hein, il est apparu la limite
Donc ça, c'est un point important, c'est, parce qu'on va utiliser cette positivité. Lambda, c'est T, hein, l'intégrale sur B croix PV de la fonction phi de B et de X, d bêta de B, d nu X. Voilà. Donc j'ai un système dynamique, j'ai une fonction, et je veux montrer que son intégrale est positive. Alors c'est pas tout à fait ça que je veux montrer, hein. Dans le cas où il y a un déterminant, il faudrait retirer la partie déterminant. Ce qu'on montre, c'est pas une positive. Mais on va supposer, pour simplifier, on va supposer que la mesure est concentrée sur SL. D'accord, hein, c'est juste pour pas s'embêter à traîner un déterminant dans tous les coins. Maintenant, quand la mesure est concentrée sur SL, je veux démontrer que cette quantité est positive. Alors j'ai un critère, il faut que j'ai une technique pour montrer qu'une certaine une intégrale est strictement positive, qui utilise un petit peu la dynamique. Alors il y a un lemme, hein, extraordinaire, qui dit que on a c'est un lemme abstrait de théorie ergodique. J'ai un système dynamique. J'ai un système dynamique mesuré, donc ça veut dire que X mu est un espace de probabilité, que T est une transformation mesurable. J'ai pas mis la tribu, hein, mais il y a une tribu là qui vient avec. T est une transformation mesurable et T préserve la mesure. Et maintenant, j'ai donc ça, ce système, hein, ça va être mon système B croix X là, hein, B croix PV. D'accord ? Ça va être ce système-là. Et maintenant, j'ai une fonction. Phi, qui est une fonction intégrable. Et je veux un critère pour que l'intégrale soit strictement positive. Alors, il y a un critère. Donc là, ce que je vous fais, ce n'est pas la démonstration. Je vous ai dit ça, c'est la positivité du premier exposant de Lyapunov, c'est Fürstenberg. Hein. Les propriétés de convergence qu'on vient de voir, c'est Fürstenberg et Keston. Oui, les deux, non, les deux. Le théorème que j'ai énoncé, c'est Fürstenberg et Keston. La démonstration que je suis en train de faire n'est pas la démonstration originale de Fürstenberg, il y a un autre argument. Et l'argument que je suis en train de développer, c'est un argument qui est dû à Givarch et Rogy. Et le point, c'est qu'en fait, il va démontrer plus que la positivité. Ce qu'il va démontrer, c'est une propriété de séparation des exposants de Lyapunov. Mais je ne vais pas insister dessus. Parce que ce qui va m'intéresser, moi, c'est juste la positivité. Mais l'argument de Fürstenberg est un peu différent. Il repose sur une propriété trou spectrale de non-moyennabilité, mais il donne juste la positivité. Tandis que Givarch et Rogy, avec cette technique, ils ont quasiment, carrément la séparation. C'est-à-dire que quand vous avez une dimension proximale qui est égale à R, hein, vous savez que les R premiers exposants sont égaux, mais le Rème est strictement plus grand que le R plus unième. C'est ça qui montre, en fait, ce lemme. Mais j'ai juste, mais en particulier, du coup, j'en déduis la positivité. Voilà. Hein. Donc c'est ça, c'est la méthode de Givarch et Rogy. Donc j'ai une fonction phi, et alors j'ai un critère pour que l'intégrale soit strictement positive. Donc il y a équivalence entre, d'une part, le fait que l'intégrale, par rapport à la mesure de la fonction là, soit strictement positive, et le fait que mu presque pour tout x dans x, quand je prends les sommes de Birkhoff de la fonction, donc phi de x plus phi de tn moins 1x ou de tnx, ça tend vers plus l'infini. Quand il tend vers l'infini. Alors, il est assez subtil, ce lemme. Parce que la propriété comme ça, elle est triviale. C'est à cause du théorème de Birkhoff. J'ai dit qu'il était ergodique. Il faut quand même qu'il soit ergodique, mon système. Hein. Là, c'est-à-dire que les ensembles invariants mesurent 0 ou 1. Sinon, on pourrait avoir des parties différentes de la mesure qui ne jouent pas les mêmes rôles. Donc, la propriété dans ce sens-là, elle découle du théorème de Birkhoff. Parce que le théorème de Birkhoff vous dit que si l'intégrale est positive, quand vous faites les sommes de Birkhoff de la fonction et que vous les normalisez par n, ça tend vers l'intégrale de la fonction qui est strictement positive. D'accord ? Et donc, en particulier, ben, ces sommes, quand on les divise par n, ça tend vers quelque chose de positif, donc elles-mêmes, elles tendent vers l'infini. Ok ? Mais en fait, elles tendent vers l'infini à vitesse linéaire. Ce que dit le lemme, c'est que dans cette situation, hein, alors, pardon, il faut que je sois bien précis.
c'est le L1 à valeur dans R ici. Hein. Ça, c'est fondamental dans ce lemme. C'est que quand on a une fonction à valeur réelle sur un système dynamique, dire que les sommes de Birkhoff tendent vers l'infini, c'est dire qu'elles tendent vers l'infini à vitesse linéaire. D'accord ? Quand l'intégrale est nulle, il peut y avoir des visites à l'infini des sommes de Birkhoff. Mais nécessairement, et c'est ça la preuve du lemme en fait, nécessairement, de temps en temps, les sommes de Birkhoff vont revenir près de zéro. Hein ? Et ça, c'est une propriété des fonctions à valeur réelle. Dans R2, ce n'est pas vrai. Hein ? Si vous avez une fonction à valeur dans R2, hein, elle peut très bien partir vers l'infini. D'accord ? Et c'est une propriété de récurrence, en fait. En particulier, hein, ce lemme vous dit directement qu'une marche aléatoire en dimension 1 est récurrente. Une marche aléatoire centrée est récurrente. OK ? Quand le cas où le système c'est un décalage et la fonction c'est juste le premier incrément de la marche aléatoire. D'accord ? Hein ? Donc c'est ça. Le lemme, ce qu'il dit, c'est quand on est dans R, bah, soit on part à l'infini à vitesse linéaire, soit on revient régulièrement près de zéro. Enfin, voilà. Alors, bon, je ne vous le démontre pas, parce que c'est vraiment un peu hors de notre propos. Mais alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, je l'applique à mon système là. Alors, je vais étudier les trajectoires de ma fonction. Ma fonction, là, accroissement de la norme. Donc, je vais l'appliquer à ma fonction phi de b et de x, qui est le log de la norme de bv sur norme de v. OK ? Alors, eh bien, et je vous rappelle que je suis passé, maintenant, j'ai supposé que j'étais de déterminant 1. Donc ça, je sais, de b1v, pardon. Je sais que presque sûrement, je vais avoir un epsilon qui va vérifier cette propriété. D'accord ? Donc si j'ai envie de montrer que hein, les sommes de Birkhoff de cette fonction tendent vers l'infini, bah, c'est montrer que ces normes ici tendent vers l'infini. OK ? Hein ? Il s'agit de montrer que la norme de bnb1 tend vers l'infini. Et pourquoi c'est vrai ? Bah, c'est vrai parce que je sais que les valeurs d'adhérence de BNB1 sur la norme de BNB1, eh bien, elles sont de rang la dimension proximale du groupe, et j'ai précisément supposé qu'elle était strictement plus petite que la dimension proximale, la dimension de l'espace. Donc elles sont de rang strictement plus petite que la dimension, donc elles ne sont pas injectives, ces valeurs d'adhérence. Eh bien, j'ai une suite de matrices unimodulaires de norme 1, pardon, j'ai une suite de matrices unimodulaires. Je suppose que quand je les normalise, les valeurs d'adhérence ne sont pas injectives, ça veut dire que nécessairement la norme tend vers l'infini. Hein, parce que dans SLN, une suite de matrices de normes bornées, c'est une suite de normes bornées. C'est une suite bornée dans SLN. Hein. Donc si jamais hein, cette suite de normes ici ne tendait pas vers l'infini, c'est-à-dire qu'il y aurait une sous-suite bornée, et ça dirait que cette matrice, elle vivrait dans un compact de SLN. Et donc j'aurais des valeurs d'adhérence qui seraient injectives. J'ai précisément dit que toutes les valeurs d'adhérence étaient non injectives. D'accord ? Donc nécessairement, la norme tend vers l'infini. Donc ici, cette fonction, ces sommes de Birkhoff tendent vers l'infini presque sûrement. Donc l'intégrale est strictement positive. C'est assez subtil hein, comme démonstration. C'est magnifique. Guy Vars en est très fier quand on parle à Guy Vars. Enfin, ça, je dis bien que c'est lui. Là, j'ai une question. Parce que moi, je connaissais ce lemme, par le lemme comme le lemme des Atkinson. C'est ça, c'est celui-là, Atkinson, c'est ça. Atkinson, c'est ça, merci, j'avais oublié le nom. En fait, j'ai préparé le cours ce matin dans le TGV, j'avais pas mes références, j'ai oublié le nom. Voilà. Atkinson, ça s'appelle, c'est là, merci. Hein. C'est où ? Ah, j'ai effacé le début. Atkinson, ça s'appelle, voilà. C'est ça. C'est le lemme d'Atkinson. Ah, ils utilisent le lemme d'Atkinson. Ils utilisent le lemme d'Atkinson. Le point clé, c'est voir le lien avec le phénomène de produit matrice aléatoire, c'est-à-dire, tu vois. Absolument. Il avait déjà vu la séparation, c'est parce que ça, c'est pas que le. Qu'est-ce que tu dis ? Pierre Lemarque avait vu que ça ne donne pas seulement le fait que l'explosion de l'électron. Oui, ben c'est immédiat, là, c'est la même démonstration. La même démonstration donne la séparation, là. C'est ça que j'avais vu. Voilà, c'est ce qu'ils ont vu. C'est le lien entre lemme d'Atkinson et la séparation des explosions de Lyapunov, tu vois. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais. Donc j'ai quitté le monde des. J'ai vérifié que j'ai rien oublié, mais je pense que je vais quitter le monde des produits matrices aléatoires purs de dur, et je vais revenir aux marches aléatoires sur les espaces homogènes. Donc je vais utiliser
le résultat qu'on vient de démontrer là pour commencer à montrer des éléments de la classification des mesures stationnaires. Donc ce qui va m'intéresser aujourd'hui, là, dans le temps qui reste, je vais essayer de vous expliquer pourquoi le théorème de classification des mesures stationnaires implique le théorème de classification des fermés invariants. Donc en fait, c'est pourquoi on a de l'équidistribution. Il y a 2 semaines, je vous avais expliqué que le lien entre un phénomène, entre une classification de mesures invariantes et une classification de fermés invariants, c'est une propriété d'équidistribution. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment les constructions que je viens de rappeler, là, ces phénomènes de premier matrice aléatoire, permettent de montrer les équidistributions qui jouent un rôle clé. Et ça va aussi montrer une autre propriété assez technique sur les mesures nu B, qui, elles, jouent un rôle vraiment dans la classification des mesures invariantes. C'est-à-dire, je vais introduire un outil, et cet outil, on l'utilise à 2 endroits. Voilà. Donc, je vais dire des choses précises, ça va être plus clair ensuite ce que je veux dire. Donc, alors je redis, voilà, simplement. Maintenant, j'aurai un espace homogène, donc X, c'est G sur lambda, et je m'intéresse donc à l'équidistribution. Donc l'équidistribution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon espace, donc j'ai donné une mesure. Ma situation, c'est la situation que j'ai expliquée il y a 2 semaines. Mu, c'est une probabilité sur G. Donc G, c'est un groupe de lit. Lambda, c'est un réseau. Et puis mu, bon, elle a des propriétés, on va voir. On va les introduire au fur et à mesure. Et puis, maintenant, je vais montrer une propriété d'équidistribution. Donc ce que je vais montrer, c'est que j'ai une classification des mesures stationnaires. Et dans cette classification, il apparaît des sous-variétés fermées Y de X, qui sont des sous-espaces homogènes. Et j'ai envie de dire que les mesures stationnaires, c'est soit une mesure G invariante, soit des mesures qui sont concentrées sur ces fermés beaucoup plus petits. Et donc, une propriété, c'est que quand je suis ma chaîne de Markov associée à mu, en partant d'un point qui n'est pas dans Y, il ne faut pas que ma chaîne de Markov aille trop passer de temps près de Y. C'est ça que je suis en train de dire, c'est ça l'équidistribution. Je ne peux pas donner de masse aux autres, aux fermés invariants. Et donc ça, je le vois comme étudier le Y, il est gamma mu invariant. Donc c'est étudier, en fait, la chaîne de Markov dans X moins Y. Okay. Donc demander que la chaîne de Markov n'aille pas passer trop de temps près de Y, c'est demander qu'elle soit récurrente, en un sens fort, dans X moins Y. C'est ou enlever Y, même si j'ai un espace compact au début, j'enlève Y. Une fois que j'ai enlevé Y, ce que je veux, c'est pas passer trop de temps près de l'infini. Donc je veux une propriété de récurrence. Donc pour ça, je vais introduire un critère de récurrence. C'est un théorème, disons. Ça s'appelle le critère de récurrence de Foster. C'est un critère abstrait pour les chaînes de Markov. Et le fait que ce critère était particulièrement efficace pour étudier les marches aléatoires sur les espaces homogènes, ça a été remarqué par Eskin et Macmullen. Eskin et Margulis, pardon. Sur ce sujet, les marches aléatoires sur les espaces homogènes, il y a un article qui a 10 années, d'Eskin et Margulis, où il montre une propriété de récurrence. Alors, ce n'est pas tellement la récurrence près d'une sous-variété qui l'intéresse, mais typiquement, ce qui l'intéresse, c'est qu'on a l'espace SL2R sur SL2Z. Ils prennent une marche aléatoire qui a des bonnes propriétés, et ça, il y a un cusp. Ils veulent montrer que la marche aléatoire ne passe pas trop de temps près du cusp. Donc, il ne faut pas passer trop de temps près du cusp. C'est l'analogue de ce qui s'appelle le théorème de Dany et Margulis sur les flots unipotents, qui dit qu'une trajectoire unipotente ne va pas passer trop de temps près de l'infini. Et donc, ils ont montré la même chose pour les marches aléatoires en utilisant ce critère. Et ensuite, quand on s'intéressait à ce sujet avec Yves Benoît, on s'est rendu compte que non seulement ce critère permettait d'étudier ce qui passait dans les cusps, mais aussi de montrer qu'on évitait les sous-variétés, etc. Ce critère est omniprésent dans ce sujet. Et c'est Eskin et Margulis qui l'ont introduit. Voilà. Alors, ce critère, qu'est-ce qu'il est? Il dit donc, on a un espace X qui est un espace localement compact, disons. Et puis, on a une chaîne de Markov, là, P, une chaîne de Markov Feller, comme ce que j'ai défini la dernière fois. Donc, c'est à chaque point de X, j'associe une mesure de probabilité sur X. Et on a on veut montrer, cet espace est localement compact, donc typiquement, c'est X moins Y, ici. Et on veut montrer que la chaîne a tendance à rester dans les compacts. Et donc, le critère, c'est, s'il existe, on suppose qu'il existe une fonction U, qui va aller de X dans R+, et qui est une fonction propre. On peut la penser continue, pour l'instant.
Donc c'est une fonction propre. Donc ça veut dire que U, quand on se rapproche de l'endroit où il ne faut pas aller, là, quand on va vers Y, typiquement, quand on va vers le cusp, celle de R sur la celle de Z, elle tend vers l'infini. Hein, elle explose complètement. Donc ce qu'on envie, c'est que U soit pas trop grande. Et on suppose qu'il existe un nombre A strictement plus petit que 1, un nombre C, qui est une bande qui ne joue pas grand rôle, mais qui, enfin, qui est, bon, qui, ça existe, tel que quand on prend la fonction PU, hein, donc P, hein, PU, PU de X, c'est j'intègre, contre la si je pars d'un point, j'intègre U sur toutes les images possibles du point au temps 1. Et PU est majoré par AU plus C. Alors que ça dit, hein, quelque part le C, dans cette équation, une équation, ce qui nous intéresse, c'est de dire que U ne peut pas être trop grand. D'accord ? Donc on regarde ce qui se passe quand U est très grand. Donc quand U est très grand, C ne joue pas de rôle. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est quand U est grand, si je fais un coup la marche aléatoire, disons A c'est 1,5, ben, en moyenne j'ai énormément diminué la valeur de U. Hein, donc ça dit que beaucoup de points, si je pars d'un endroit où U est très grand, je suis très loin dans le cusp ici, je suis très près de la sous-variété interdite, ben, beaucoup de gens vont revenir vont partir. C'est ça que dit cette inéquation. D'accord ? Donc c'est complètement élémentaire que ça implique tout de suite des propriétés de récurrence fortes. C'est-à-dire que, quel que soit x dans x, je pars d'un point quelconque, et je regarde la limite sup, quand même tend vers l'infini, de la probabilité, lorsque j'ai noté oméga x, là, ce que les probabilistes notent px, là, que au n-ième cran de la marche aléatoire, u de xn soit plus grand qu'une constante m. Donc j'aurais dû dire quel que soit m strictement positif. Eh bien, cette probabilité, elle est plus petite. Donc je regarde les trajets, les moments, hein, la probabilité que partant d'un point, au n-ième cran, je sois très près de l'endroit interdit. D'accord ? Eh bien, cette probabilité, elle est plus petite que 1, que c, pardon, il y a le c qui apparaît là, sur 1 moins a fois m. Voilà. Donc, quand m est très grand, ben, on ne va pratiquement pas passer de temps près du y, là. D'accord ? Dans la démonstration, vous allez voir, c'est 3 lignes, hein, même pas. Une demi-ligne. Alors, il y a un autre. Donc, ça va être ça qui va nous donner l'équidistribution en loi. C'est-à-dire qu'en loi, en partant d'un point, on passe peu de temps près des sous-variétés interdites. Et je vous avais dans les énoncés, j'ai aussi donné un énoncé presque sûr, c'est-à-dire quand ceci se passe, quand on suit une trajectoire. Donc il faut que j'ai, à partir de ça, il faut que j'ai un énoncé sur les trajectoires de la chaîne de Markov. Alors, c'est par rapport à la mesure de Markov, là, que j'ai noté oméga x la dernière fois, ou que les probabilistes la notent px. Hein. C'est-à-dire, je regarde la distribution des trajectoires issues de x. Eh bien, si je regarde la limite sup quand n tend vers l'infini de 1 sur n fois le nombre de fois entre le temps, le premier temps et le temps n, que u de xk est plus grand que m, eh bien ça, c'est plus petit que la même chose. Hein, c'est-à-dire que j'ai ma chaîne de Markov, ici, et alors j'y vais, là, je lance une trajectoire. Alors j'ai x, puis j'ai x1, tac, 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 j'ai une trajectoire aléatoire. Maintenant, le long de cette trajectoire aléatoire, je mets une barre, là, m, et je compte le nombre de fois où ma trajectoire aléatoire, elle est entrée au-delà de la barre. Et bien, quand m est grand, ce nombre de fois, ce nombre moyen de fois, hein, le nombre de fois divisé par n, il est petit. Hein. Voilà. Alors ça, eh bien, ça va être extrêmement pratique, critère. Je vais le démontrer. Alors, je n'ai pas démontré le deuxième, parce que le deuxième, c'est un peu plus de travail. Je veux que la fonction soit propre lorsque l'utilise pour des fonctions. Non, je n'utilise pas propre, en fait. Ce que je dis là, c'est complètement formel. Si j'ai une fonction qui vérifie ça, j'ai ça. D'accord. Et voilà, c'est vrai que j'aurais dû... Je te remercie pour cette remarque. Je n'utilise pas propre, en fait. C'est juste qu'ensuite... Hein, tu as raison, j'ai très mal fait mon énoncé, d'accord ? C'est-à-dire que ça, si la fonction est propre, je suis en train de regarder le nombre de fois où je sors d'un compact, d'accord ? Mais oui, bien sûr, ça c'est juste, paf, j'ai une fonction qui vérifie cette équation, j'ai cette propriété. Hein, et je vais l'appliquer
hein, en prenant des fonctions propres, parce que mon but, c'est d'éviter de partir à l'infini. Merci. C'est pas très bien rédigé, effectivement. Voilà. Donc la démonstration, alors celle-là, vous allez voir, j'ai dit une demi-ligne. J'ai essayé de le faire. Donc, je suis en train de regarder oméga x, je vais écrire petit, de l'ensemble u de xn plus petit que m. D'accord ? Donc j'ai une fonction, et je regarde la mesure, j'ai une mesure, je regarde la mesure de l'ensemble des points où la fonction est petite. Donc ça, c'est l'inégalité de Chebyshev qui me dit que c'est plus petit que 1 sur m, l'intégrale de u de xn d'oméga x. C'est l'inégalité de Chebyshev. D'accord ? Mais ça, par définition, hein, intégrer, prendre la mesure de Markov et regarder la distribution au temps n des trajectoires, eh bien, c'est appliquer l'opérateur Pn. Donc ça, c'est Pnu de x. Je ne vais pas y arriver à faire une demi-ligne. D'accord ? Ça, c'est vraiment la définition de la mesure de Markov. Okay ? Mais maintenant, c'est immédiat que si vous itérez ça, vous avez que Pnu, c'est plus petit que a puissance n u, plus a puissance n moins 1, plus blablabla, plus 1, fois c. J'itère cette équation. Donc ça, c'est plus petit, on fait la somme de la série géométrique, que a puissance n u, plus c sur 1 moins 1. Donc ça, cette quantité, elle est plus petite que 1 sur m, facteur de a puissance n u de x, plus c sur 1 moins 1. Passez à la limite quand n est infini, et vous avez le résultat. Donc c'est pas facile en général de montrer qu'un phénomène est récurrent ou transient, etc. Ce critère est d'une puissance incroyable. Et c'est vraiment un coup de génie d'Eskin et Margulis, là, cette remarque que ce critère s'appliquait parfaitement, c'est-à-dire je vais vous donner, hein, d'ici 10 minutes, on va avoir construit, dans ces situations-là, on va avoir construit des fonctions U qui vérifient exactement ça. Je suis toujours parmi de cette affaire. C'est complètement remarquable, hein, parce que ce critère, vous parlez à n'importe quel probabiliste qui a l'habitude de faire des chaînes des Markov, des trucs, il connaît ça par cœur, quoi. Enfin, je veux dire, c'est super classique. Ça marche impec dans ce cas-là. C'est vraiment génial. Voilà. Alors maintenant, il y a le critère. Alors, un mot, hein, c'est-à-dire un mot sur... cette propriété presque sûre, là, hein. Je n'ai pas la démontrer, parce que là, il y a un petit peu de travail. C'est pareil, je veux dire, c'est une preuve complètement abstraite, quoi. On n'utilise rien. C'est juste, on joue avec cette équation et on arrive à montrer cette propriété. C'est un petit peu de travail. Et l'idée, c'est quoi? Ben, l'idée, c'est que, en fait, vous voyez ici, non seulement on revient, mais on revient très très vite, là. Il y a une puissance de A qui apparaît, hein. Et ce qui se passe, c'est que en renforçant un petit peu le travail sur cette équation, c'est facile de voir que dès que cette quantité-là, c sur 1 moins am, qui apparaît partout, dès qu'elle est strictement plus petite que 1, c'est-à-dire que dès qu'on va avoir tendance à y aller dans cet endroit où on est plus petit que m, hein, et bien dès qu'elle est plus petite que 1, vous avez l'ensemble. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que si vous posez xm, l'endroit où u est plus petit que m, les trajectoires de la chaîne de Markov, il y en a qui vont visiter xm. Et en fait, elles vont toutes le visiter, hein, et le temps qu'elles vont mettre pour les atteindre, c'est un temps aléatoire qui est une loi exponentielle. D'accord ? Ça, c'est la distribution, il tend très rapide. C'est un temps où la probabilité d'être grand tend exponentiellement vite vers zéro. Et alors, du coup, hein, l'idée, c'est que quand vous avez des distributions exponentielles, vous avez des propriétés de grande déviation qui tombent gratuitement. Et donc, en fait, non seulement on monte ça, mais on monte carrément avec que ça tend vers ça, avec un reste exponentiel ou des choses comme ça. Hein, c'est-à-dire, on utilise des techniques de grande déviation. Une fois qu'on a remarqué qu'il y a un temps... Peut-être que c'est un peu... hein, disons, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez une mesure de... Bon, bref, non, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà. Essentiellement, c'est jouer avec le fait qu'on va très très vite revenir là où la fonction est plus petite que m. Et quand on fait des excursions, elles sont en dehors de l'endroit où elle est plus petite que m. Bah, le temps des excursions, la durée des excursions, c'est des temps exponentiels. Et quand on a des temps exponentiels, on a des bonnes propriétés d'équidistribution. Bon, bref, c'est pas très clair ce que je dis pour quand on n'a pas l'habitude.
Voilà. Bon, enfin, il faut encore travailler, mais ça utilise juste le formalisme, quoi. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Alors, une fois qu'on a ce critère... Alors oui, et puis une petite remarque. J'ai dit qu'on allait construire des fonctions qui vérifient ça. En fait, on ne va jamais construire des fonctions qui vérifient ça. On va vérifier des fonctions qui vérifient, pour un certain cas, PKU plus petit que AU plus C. Mais alors, il est bien clair que si on a une fonction qui vérifie ça, si vous posez V, qui est A puissance... alors, il faut que j'y aille doucement. K moins 1 sur K... plus fois U, plus A puissance K moins 2 sur K, fois PU, plus blablabla, plus PKU, PK moins 1 U. Alors, si vous avez une fonction qui vérifie ça, eh ben, vous avez PKV, qui est plus petit que A puissance 1 sur K, V plus C. Ou peut-être plus C prime, je ne sais pas. Bref. Hein. Donc, si vous avez pour une certaine puissance de l'opérateur, quitte. Pardon ? PV ou PKV ? PV, pardon, oui, non, précisément, c'est ce que je veux. Merci. PV, hein, ça c'est, il y a juste un truc formel. Quand vous l'avez pour une puissance de l'opérateur, vous l'avez pour l'opérateur. Donc en général, je ne vais pas construire des fonctions qui vérifient ça. Je vais m'autoriser à remplacer le temps. Et peut-être qu'il faut un peu de temps pour avoir ça. Voilà. Et c'est pas très grave, ça revient au même. Voilà. Alors ça c'est, voilà, pour l'instant, on était vraiment dans le pur abstrait. Et maintenant, je vais commencer à appliquer ce critère. Alors, je n'ai pas l'appliqué, j'ai commencé à la construction de fonctions, donc sur les espaces homogènes. Hein, mon but, c'est quand j'ai G sur lambda, et puis une sous-variété, j'efface un truc, puis je le redessine aussitôt, c'est particulièrement malin. Quand vous avez G sur lambda, une sous-variété où je ne veux pas aller, hein, qui est une sous-variété invariante, eh bien, je vais construire une fonction U qui m'empêche d'y aller. Hein. Alors on va faire ça et on va utiliser toutes les constructions probabilistes, là, tout le théorème de Fürstenberg-Kesten, la positivité, etc. pour faire ça. Alors je vais commencer par le faire dans les espaces vectoriels. Donc je vais reprendre maintenant mu, ce sera une mesure... sur GLV. Alors maintenant, je vais prendre sur SL. Hein, parce que j'en ai marre de traîner le déterminant. De toute façon, là, il faut la positivité, vraiment. Je vais prendre mu sera une mesure sur SLV. Je vais supposer que gamma mu est fortement irréductible. Et puis, je vous dis, ce que je veux, c'est une propriété d'expansion. Hein. Ça, c'est vraiment cette propriété qui fait qu'on part des endroits. C'est une propriété d'expansion de la marche aléatoire. Donc, il faut que le premier exposant de Lyapunov soit positif. Donc, je vais le supposer gamma mu non compact. Et là, vous voyez, dans les hypothèses, régulièrement, quand j'ai présenté le théorème il y a 2 semaines, j'ai dit toujours qu'il fallait prendre des groupes semi-simples, hein, ce qui va me garantir que c'est fortement irréductible les contenus dans SL, et que, ou en tout cas que l'espace sera somme de composantes fortement irréductibles unimodulaires, parce que le groupe est semi-simple. Et j'ai supposé qu'il n'y avait pas de facteur compact, ce qui est exactement parce que je veux éviter des situations où j'ai des groupes compacts. Donc on commence à voir apparaître les hypothèses du théorème que j'ai énoncé il y a 2 semaines. Donc c'est une mesure sur SLV pour l'instant, mais bientôt sera SLV sera le SL d'une composante irréductible dans l'action adjointe. Et alors moi je dis la chose suivante, proposition. Je dis qu'il existe, sous ces hypothèses, il existe delta strictement positive. Enfin, il existe delta, mais en fait, il existe delta 0, tel que quel que ce soit... Alors, ah, pardon, j'ai dit une bêtise. Pour l'instant, j'ai rien dit, donc voilà. Et puis, je vais supposer, donc je vais mettre proposition ici. Voilà. Et je vais supposer maintenant, il me faut des moments exponentiels. Ça, c'est quand même des choses qui disent qu'il y a une vitesse exponentielle de départ. Donc, c'est associé à une hypothèse de moment exponentiel sur la mesure. Donc, j'ai supposé qu'il y a des moments exponentiels, c'est-à-dire que pour un certain t strictement positif, l'intégrale... de la norme de G puissance T, des mu de G est fini. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai plus besoin de jouer avec le max de la norme de G et la norme G moins 1 parce que je me suis mis sur le spécial linéaire, là. Alors, il existe un delta 0, tel que pour tout delta, compris entre 0 et delta 0, si U d'un vecteur V c'est 1 sur la norme de V puissance delta, eh bien,
Il existe A strictement plus petit que 1, tel que PU, et plus petit que AU. Voilà. Il n'y a pas de C là, hein, y a pas le... parce que, évidemment, quand PU est plus petit que AU, ben là, carrément, U, le long de la trajectoire, il tend vers 0. Hein. Alors, pourquoi il tend vers 0 ici? Ben parce que U, c'est 1 sur la norme. Et donc, comme ma mesure elle a tendance à faire de l'expansion, ce que je suis en train de dire, c'est que les normes des vecteurs, la norme des GN, des BN, BRV, elle tend vers l'infini. D'accord? Donc, cette chaîne de Markov, en fait, là, l'espace qui joue un rôle, c'est le compactifier par un point de V privé de 0. Hein. Là, c'est X. L'espace X, ici, c'est V privé de 0, union un point à l'infini. Voilà. Donc la chaîne de Markov, elle a un comportement particulièrement stupide là-dessus, c'est que de toute façon, tout le monde va à l'infini. Voilà. Hein, et dans les exemples sur les espaces homogènes, on aura une équation du type PU plus petit que AU plus C, parce qu'on ne veut pas que la chaîne de Markov, elle aille s'écraser là où il est nul. Hein, c'est une chaîne de Markov qui va s'équilibrer. Donc quand elle arrive très près, là aux endroits où U est très grand, paf, elle est repoussée. Mais ensuite, il faut qu'elle puisse faire ce qu'elle veut là où U est petite. C'est à ça qu'il sert le C. Hein, le C, il dit que bah, là où U est petit, on ne sait pas trop quoi. Hein. Par contre, si on commence à s'aventurer là où U est grand, alors là, on a vraiment du mal à y aller. C'est vraiment... C'est... Je suis toujours parmi, moi, de ce truc. Mais bon, tellement c'est puissant. Voilà. Donc, dans ce cas-là, c'est pas ça. Dans ce cas-là, tout le monde va à l'infini, point. Donc, et du coup, on a une équation si triviale que ça. Alors, la technique, c'est très standard. Hein, pour, encore une fois, c'est des phénomènes de grande déviation, ce qui apparaît. C'est-à-dire... Alors, comment on démontre ça? Bah, c'est la positivité du premier exposant Lyapunov, bien ficelé. Alors, comment on le ficelle, justement? Eh bien, qu'est-ce que c'est que PU, hein, PU sur U, c'est que je veux montrer que c'est petit. Alors ça, c'est l'intégrale de la norme de V puissance delta sur la norme de GV puissance delta des mu G. Alors vous allez me dire, c'est vraiment une façon bizarre d'écrire les choses, mais maintenant je vais encore être plus bizarre, parce que je vais dire que c'est l'intégrale de l'exponentielle de moins delta, le log de la norme de GV sur norme de V, hein, des mu G. Voilà. Et alors là, ben je vois apparaître précisément, pourquoi je l'écris comme ça? Parce que je veux voir apparaître la quantité dont j'ai montré que son intégrale avait tendance à tendre vers plus l'infini. Hein, l'intégrale, s'il n'y avait pas l'exponentielle, là, ben c'est ma quantité de tout à l'heure. D'accord? Donc j'intègre, ce que je suis en train de faire, c'est j'intègre une fonction, hein, j'intègre l'exponentielle d'une fonction d'intégrale négative. D'accord? Donc quand vous faites l'intégrale de l'exponentielle de moins t fois f des mu, hein, où f elle est d'intégrale positive, bah pour t petit, là vous avez une fonction de t. D'accord? La dérivée de cette fonction de t en t égale 0, bah c'est exactement moins l'intégrale de f des mu. Sous réserve que vous avez une bonne propriété d'intégrabilité, etc., vous pouvez dériver. Hein? Mais mes hypothèses de moment vont me servir à dériver. Donc si vous dérivez, si l'intégrale de f est positive, ben vous voyez que la dérivée de cette quantité en t égale 0, elle est strictement négative. Et pour t égale 0, la valeur c'est 1. Cette fonction prend la valeur 1. Donc vous avez une fonction en t égale 0, elle prend la valeur 1, elle a une dérivée strictement négative. Donc pour t petit, elle est strictement plus petite que 1. D'accord? Et ben donc c'est ça le lemme. Alors, parce que j'ai triché, c'est il existe K, c'est PKU. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Cette fonction-là, hein, elle va devenir, si je remplace la mesure par une puissance de convolution, ce machin devient strictement positif, là, cette intégrale. Donc du coup, je suis en train d'avoir une fonction de delta, et je vais la dériver. Alors la seule difficulté, c'est que moi, je veux une estimation uniforme en V. Dans ce calcul-là, pour l'instant, c'est à une fonction fixée. Donc je suis... je suis obligé de développer un petit peu, mais enfin, c'est ça la philosophie. Vous m'avez suivi ou j'ai été trop rapide, hein? Je dis... How do you use the assumption that this integral
This property is to guarantee that I can differentiate under the integral. I want to apply, I have to differentiate an integral, you have to have a domination. This is guaranteed by this property. That for small t, you have a t naught here, and for smaller t, you can differentiate. So you can differentiate at zero. Okay? So if you know that you have a domination on the integral of the exponential of f, and the property that the integral is positive, then this function will take a value close to one, a value smaller than one for small t. Okay, this is the spirit of the lemma. So the only problem is that here, there is a family of functions which depend on v. So I have to make all these computations uniform. This is technical. That is the main idea is this idea, which is very classical. If you look at the demonstration of the large deviation theorem, this is exactly the demonstration of the large deviation property for random works on R. Yeah, this is very classical. Now, if you look at the demonstration of the law of the iterated logarithm, there are computations of this form. So this is very classical in probability theory. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc voilà, bon, bah, je vais juste dire, hein, bon, alors je le dis rapidement, ce que je vais dire, c'est quand j'ai exponentielle de x, je peux toujours dire que c'est plus petit que 1 plus x plus valeur absolue de x carré, exponentielle de valeur absolue de x. Cette majoration est complètement immédiate, hein, vous essayez juste le développement, ça se trouve, n'est pas du tout optimal, je m'en fiche. Vous écrivez juste le développement en série de la fonction exponentielle, et ça vous donne tout de suite cette propriété-là. Donc maintenant, vous en déduisez que si je regarde PU de V sur U de V, et ben c'est plus petit que 1 moins delta l'intégrale de log de norme de GV sur norme de G des mu de G. Plus un machin qui a un grand taux de delta carré. Et le fait que c'est un grand taux, c'est précisément ma propriété d'exponentielle. D'accord? Qui me dit que c'est ça qui marche. Un grand taux qui ne dépend pas de V. Et puis, bah alors, le truc maintenant, c'est que si vous remplacez PKU, alors là, vous avez un grand taux qui dépend de K. D'accord? Mais là, vous voyez apparaître la mesure puissance K fois. Hein, et j'ai précisément, le théorème de Fürstenberg et Keston me garantit que je peux trouver un K uniforme en V, hein, tel que cette intégrale devienne négative. Hein, c'est-à-dire que c'est ça, je sais que le comportement de ça, c'est que uniformément en V, ça tend, c'est équivalent à moins K fois l'exposant Lyapunov. Et j'ai dit que l'exposant Lyapunov était strictement positif, donc du coup, cette quantité, à partir d'un certain moment, elle devient strictement négative. Je prends delta suffisamment petit pour que ce terme-là l'emporte sur celui en delta carré, j'ai terminé. D'accord? Voilà. Ce calcul magnifique, ce calcul magnifique, eh bien, on l'a fait une fois et maintenant on va l'utiliser tout le temps. Et en fait, dans les hypothèses, j'ai supposé que gamma mu était fortement irréductible et non compact, mais j'aurais pu faire une hypothèse, là j'ai fait le cas où il n'y avait qu'une composante irréductible, mais exactement la même propriété fonctionne si j'ai une somme directe de composantes fortement irréductibles. Hein, si l'espace n'est pas une composante fortement irréductible, mais une somme, ça marche aussi. Donc le résultat, c'est encore vrai. Sous les hypothèses suivantes, qui sont celles que je vais toujours utiliser en vérité, que gamma mu, si je prends son adhérence de Zariski, c'est semi-simple, connexe. Hein, connexe, c'est pour garantir la forte irréductibilité. Sans facteur compact. Et dans mon espace V, hein, il n'y a pas de vecteur invariant. Hein, parce qu'on pourrait avoir quelque part le facteur trivial qui apparaît. Voilà. Donc, quand vous prenez un groupe semi-simple sans facteur compact, eh bien, qui agit sur un espace vectoriel, l'espace est somme directe. Hein, d'une somme de composantes fortement irréductibles dans lesquelles il n'y a pas d'invariant avec les invariants. Et dans chacune des composantes fortement irréductibles où il n'y a pas d'invariant, ben vous avez de l'expansion, parce qu'il n'y a pas de facteur compact. D'accord? Donc ce lemme, hein, je peux
Au lieu d'avoir une composante inductive, il faut en avoir plusieurs. Voilà. Alors maintenant, je reviens à la situation espace homogène. Et mon but, c'est d'arriver à construire des fonctions qui me permettent d'éviter des sous-variétés invariantes. Ça va, ça va ce que j'ai dit là, non, c'est juste le fait que si on a une composante, on peut en avoir deux, ça ne change pas grand-chose au fait qu'on a de l'expansion, quoi. Donc quand on a plusieurs comptes, donc maintenant je vous rappelle la situation, G c'est un groupe de Lie. Lambda c'est un réseau. Et j'ai posé X égale G sur lambda. Et donc les hypothèses du théorème de classification, ben, je vais y redonner. Mu c'est une probabilité sur G. Je vais supposer qu'elle est ad semi-simple. Et sans facteur compact. Alors, ce que j'attends par là, c'est quand je prends ad de gamma mu, donc ça, c'est un sous-espace du groupe linéaire de l'algèbre de Lie, hein, et je vais supposer que son adhérence de Zariski et semi-simple, sans facteur compact. Hein, de façon à précisément pouvoir appliquer ce type de propriété pour l'action adjointe dans l'algèbre de Lie. Hein. Et voilà. Donc... dans toute la suite, hein, c'est ça que je vais prendre. Et voilà, ça c'est les données. Et il y a une hypothèse de moment. Hein. Donc pour l'instant, le théorème de classification que j'ai donné, il y a besoin vraiment que les mesures soient à support compact. Et il y a une difficulté, on va la rencontrer plus tard. C'est pas dans ces... Mais dans les arguments que je développe aujourd'hui, il n'y a pas besoin. Hein. Donc c'est pas qu'on pense que c'est faux d'ailleurs quand les mesures n'ont pas de support compact, c'est qu'on ne sait pas le faire, mais on pense que c'est vrai. D'accord ? La classification des mesures stationnaires. Simplement, nous, notre technique, il y a un moment, on utilise support compact, on ne sait pas comment faire autrement, mais ce n'est pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais juste supposer une propriété moment exponentielle, c'est-à-dire il existe un T strictement positif, tel que l'intégrale sur G de la norme de l'action adjointe de G à la puissance T des mu G est finie. Et mon but, pourquoi ? C'est parce que je veux pouvoir faire ma construction, là. Je veux pouvoir construire mes fonctions U. Donc, j'ai ces propriétés. Alors, vous voyez, hein, j'ai fait une hypothèse en plus, là, quand j'ai étudié les marchés aléatoires linéaires, c'est que j'ai supposé qu'il n'y avait pas d'invariant. Les invariants, c'est une vraie obstruction. C'est-à-dire, si j'ai un vecteur de norme non nulle qui est invariant, bah, quand je fais la fonction 1 sur norme de V puissance delta, si V il est invariant, j'aurai beau appliquer mon opérateur, il ne va rien se passer, parce qu'il est invariant, donc ça ne bougera pas. D'accord ? Et de fait... Dans le travail que je raconte pendant ces cours, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a eu énormément de difficultés à gérer les invariants parce que toutes les propriétés d'expansion qu'on voulait, etc., étaient perturbées par le fait qu'il y avait des invariants. Donc, je vais faire une hypothèse supplémentaire. Hein. Je vais supposer donc, que L, donc c'est une notation, si vous regardez les papiers, c'est toujours comme ça qu'on note. L, c'est le centralisateur. De gamma mu dans G, et j'ai supposé que L est discret. On pourrait penser que L est trivial, parce que ce qui me dérange, c'est les invariants dans l'algèbre de Lie. Donc c'est l'algèbre de Lie du centralisateur, hein, et donc je ne veux pas l'avoir, elle me gêne. Donc j'ai supposé que le centralisateur est discret. Voilà. Et puis j'ai un deuxième problème, vous allez voir tout de suite pourquoi ça. Dans ça, vous voyez là tout de suite que si on a des invariants dans l'algèbre de Lie, on a un problème pour construire de l'expansion. Et j'ai une deuxième difficulté, c'est, et ça vous allez voir dans une minute où ça intervient, c'est j'ai aussi supposé que G sur lambda est compact. Et puis, normalement, voilà, vous allez voir que c'est... Enfin, je vous expliquerai peut-être à la fin comment on fait quand c'est pas compact et comment ça fait quand il y a des invariants. Et ça devient atroce. De toute façon, c'est la même idée. Enfin, je veux dire, c'est juste qu'on est obligé de travailler plus sur les mêmes idées. Il n'y a pas de... C'est des difficultés techniques, il n'y a pas de nouveaux concepts.
Voilà. Alors, et donc maintenant, sous ces hypothèses, hein, donc je viens d'écrire les hypothèses, proposition. Donc, si j'ai Y qui est inclus dans X, qui est un sous-espace homogène, alors ici, X est compact, hein. Donc, c'est-à-dire que Y s'écrit SX, il est fermé, et S, c'est un sous-groupe de G. Voilà, donc j'ai un sous-espace homogène. Je suppose que gamma mu Y est inclus dans Y. Alors, sous l'hypothèse qu'il n'y a... Hein, bon, oublions les hypothèses techniques sur gamma mu, etc. Mais l'hypothèse principale, c'est qu'il n'y a pas de centralisateur, G sur lambda est compact. Alors, c'est ce qu'on attendait, c'est-à-dire... Alors, il existe une fonction U qui va de X privé de Y dans R+, qui est propre, mais non propre, ça sert là. Et il existe A strictement plus petit que 1, C strictement positif, tel que PU est plus petit que AU plus C. Donc c'est vraiment exactement ce que j'ai dit depuis le début, c'est-à-dire on a un espace homogène on a notre espace X, on a une sous-variété Y qui est interdite, on ne peut pas s'approcher d'elle. La marche aléatoire, hein, bah, elle a tendance à fuir la sous-variété. Donc bah, la technique, ça va juste être de prendre près de Y, de linéariser hein, la situation, comme on est dans un groupe de Lie, donc on sait qu'on a des belles linéarisations de l'action, et d'appliquer la construction dès qu'il vient des espaces vectoriels. Donc plus précisément, donc je vous rappelle, le stabilisateur ici, hein, quand j'ai un point Y dans Y, eh bien, il y a une action de G, et localement, l'espace, ça ressemble à un petit ouvert de G. D'accord ? Donc dans ce petit ouvert de G, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on voit la sous-variété Y, dont l'espace tangent, c'est l'algèbre de Lie S du groupe qui apparaît ici. OK ? Et puis, comme l'espace Y, il est invariant par gamma mu, eh bien, cette algèbre de Lie S, elle est invariante par l'action adjointe de gamma mu. Maintenant, comme l'action adjointe de gamma mu, son adhérence de Darinsky est semi-simple, il y a un supplémentaire invariant. OK ? Ça, c'est la propriété de semi-simplicité. Donc, je sais que je peux écrire que l'algèbre de l'IG, elle s'écrit comme la somme directe de T plus S, où S, c'est l'algèbre de l'I de S, et T, c'est gamma mu invariant. Il peut y avoir des choix, mais je m'en fiche. Et maintenant, j'applique la construction du lemme, là, la construction de la fonction P, à l'espace vectoriel T, qui est muni d'une action hein, de gamma mu, là, qui est une somme directe de composantes fortement irréductibles, et il n'y a pas d'invariant. D'accord ? Donc je sais qu'il existe delta strictement positif, et il existe K dit que 1, tel que si je pose et A strictement plus petit que 1, tel que pour tout vecteur V dans l'algèbre de dit T, quand je regarde l'intégrale de la norme AG de V puissance moins delta D mu G, ça c'est plus petit que A fois la norme de V puissance moins delta. Hein, ça, c'est la construction qu'on a faite tout à l'heure. Alors maintenant, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de prendre un point hein, qui est près de Y. Et j'ai envie de définir, quand j'ai un point là, près de Y, X, il va s'écrire exponentielle de V fois Y, où Y est un point de Y, et V, il appartient à ma transversale T. D'accord ? Et j'ai envie de poser U de X égale la norme de V puissance moins delta. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que j'ai un théorème de voisinage tubulaire sur Y. Et c'est là que j'utilise la compacité. C'est-à-dire que si mon espace n'était pas compact, ma sous-variété Y, elle pourra aller dans les cusps. Et dans les cusps, quand ce n'est pas compact, le rayon d'injectivité il diminue. Donc le epsilon, à partir duquel je veux bien voir des belles cartes locales, bah, il dépendrait du point. Alors, on peut s'en tirer, mais c'est intordable. C'est pénible, quoi. J'en ai un mauvais souvenir. Voilà, donc je ne le fais pas.
Donc, comme c'est compact, j'ai une belle sous-variété dans une variété compacte, j'ai un théorème de voisinage tubulaire. C'est-à-dire qu'il existe epsilon strictement positif, tel que l'application... Alors, j'ai noté B epsilon T, là. C'est la boule de centre zéro et de rayon epsilon dans T. Hein. Donc, qui va de B epsilon T croix Y dans X, et qui a un élément V, un élément IV Y, associé exponentiel de V fois Y, eh bien, ça, c'est un diffeomorphisme sur son image. Sur un certain ouvert U epsilon, hein, qui est son image. Et je vais poser, je ne vais pas m'embêter, alors je vais poser U de X égale 1 sur norme de V puissance delta si X égale exponentielle VY, si X appartient à U epsilon. Et puis je vais poser U de X égale, alors si je veux que ce soit continu, on s'en fiche un peu, mais bon, on va mettre 1 sur epsilon puissance delta sinon. Comme ça c'est même continu. Hein? C'est-à-dire, ici, dans mon voisinage tubulaire, ma fonction, bah, comme ça ressemble, un point, il est complètement déterminé par une transversale, ici, par une norme transversale. Hein? Je mets la distance transversale qui vient de cette décomposition de l'algèbre de Lie. Et puis, quand je suis en dehors, de toute façon, je m'en fous complètement de ce qui se passe en dehors. Hein? Ce qui m'intéresse, c'est juste de calculer ce qui se passe quand je suis près de Y. Voilà. Et alors, c'est, évidemment, hein, c'est à cause de cette rupture dans la formule qu'on va voir apparaître le C. C'est-à-dire, on ne va plus avoir PU plus petit que AU, mais PU plus petit que AU plus C. Alors, pourquoi? Alors, dans cette preuve, donc, je vous ai dit, cette proposition, il suffit que la mesure ait des moments exponentiels. Je ne vais pas m'embêter dans la preuve, je vais supposer moment, support compact. Sinon, ce n'est pas très dur, hein, mais bon, ça fait encore des complications. Donc, je ne vais pas m'embêter, je vais supposer le support de mu est compact. Voilà, et puis je vous ai dit que j'ai cette propriété là, hein, que normalement, oui, alors j'ai mis un cap, normalement c'est pour une puissance de convolution ici. J'ai supposé k égale 1, hein, pour simplifier. Voilà. Alors, et k égale 1. Alors du coup, je vais noter d, ce sera le maximum de la norme de g. Et la norme de g puissance moins 1, enfin alors plutôt de l'action adjointe de g, de l'action adjointe, quand g est dans le support de mu. Hein, parce que maintenant la mesure est compacte. Et je vais calculer PU. Hein, j'ai ma fonction U et je calcule PU. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, il y avait l'ouvert U epsilon là. U epsilon, c'était les gens qui étaient à distance transverse plus petite que epsilon de la variété Y. Alors il y a aussi un ouvert U epsilon sur D. Donc si x appartient à u epsilon sur d, ça veut dire que x s'écrit exponentielle v fois y, et la norme de v maintenant, elle est plus petite que epsilon sur d. Strictement, on va mettre, c'est pas très important. Voilà. Et donc maintenant, quand je prends g dans le support de mu, eh ben, gx, il s'écrit exponentielle de l'action adjointe de G appliquée à V que multiplie GY. C'est ça l'application adjointe. Et maintenant, la norme de l'action adjointe de G appliquée à V, bah, elle est plus petite que D fois epsilon sur D. Elle est égale à epsilon. OK ? Oui, pour être cohérent. Hein, c'est fait exprès. C'est-à-dire que je dis, là j'ai ma petite bande, je prends une bande beaucoup plus petite. Et quand je suis dans la bande beaucoup plus petite, bah de toute façon, l'image par n'importe quel élément du support de la mesure ne sort pas de la grosse bande. OK ? Donc pour calculer U, c'est facile. Quand je calcule U de GX, du coup, eh bien c'est égal à 1 sur la norme de GV puissance delta. Et donc, bah, par la propriété fondamentale, là, PU de X, c'est plus petit que A fois U de X. Donc ça me traite un cas. Alors maintenant, hein, ça c'est le cas où U, il appartient, il est vraiment très très près. Hein, j'ai effacé le dessin, j'aurais pas dû. Hein, on a
notre espace X. Là, on a Y. Là, la distance, c'est epsilon. Et puis, il y a beaucoup plus petit, là. C'est epsilon sur D. Hein? Maintenant, je prends des points qui sont là-dedans. Alors, quand je prends des points qui sont là-dedans, bah, je vais juste dire que PU est majoré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que si X, il n'appartient pas à U epsilon sur D, eh bien, j'ai X maintenant. Eh bien, s'il appartient, si Gx n'appartient pas à U epsilon, eh bien, je sais que... qu'est-ce que je sais? Je ne sais plus. Si Gx n'appartient pas à U epsilon, une Gx, c'est plus petit, par définition, c'est égal à 1 sur epsilon sans delta. Donc c'est majoré. Mais si Gx... Si, hein, ce qui pourrait arriver... Quand je prends un point là, là, dans la grande bande X, je lui applique G, je re-rentre dedans. Ça, ça pourrait arriver ailleurs. Mais quand je re-rentre dedans, ben, je ne peux pas rentrer trop près quand même. Hein? Parce que si j'étais rentré trop près, ça veut dire que X, il serait déjà. Hein? Ce que je veux dire par là, c'est que si UGI, maintenant, si GX, il appartient à U epsilon, GX, il s'écrit exponentielle de W fois Z. D'accord? Avec W qui est de norme plus petite que epsilon, et Z qui appartient à Y. Ah oui, mais alors qu'est-ce qui se passe? C'est que X lui-même, ben, il s'écrit exponentielle de l'action adjointe de G appliquée à W que multiplie G moins 1 Z. Et donc nécessairement, hein, comme on était parti de quelqu'un qui n'était pas trop près de Y, eh bien, on sait que la norme de l'action adjointe de G-1 appliquée à W, elle est nécessairement plus grande que epsilon sur D. Hein? Puisque X, sinon, ça voudrait dire que X lui-même était trop près. Et on est parti de quelqu'un qui n'était pas trop près. Donc, ça veut dire que la norme de W est plus grande que epsilon sur D carré. OK. Et donc, UGX est plus petit que d puissance 2 delta sur epsilon sans delta. D'accord? Donc la conclusion, c'est que x, si x appartient à u epsilon sur d, quel que soit g dans le support de la mesure, u de gx est plus petit que quoi? D carré sur epsilon puissance delta. Voilà. Donc PU est soit plus petit que AU, soit plus petit qu'une constante, c'est exactement ce qu'on voulait montrer. Ça va? Ou j'ai été trop... Hein? C'est-à-dire, si on est très près, si on est très très près, eh ben, le comportement qu'on voit, c'est le comportement de la marche aléatoire linéaire. Hein? Donc c'est standard dans toutes ces questions où on a soit des flots unipotents, soit ces phénomènes de marche aléatoire sur des espaces homogènes. On veut montrer ce qui se passe. Quand on arrive près d'une variété singulière, on n'a pas envie de passer trop de temps, on linéarise. C'est vraiment là qu'on utilise la structure groupe de Lie, espace homogène, etc. C'est, ben, on a l'application exponentielle, donc on sait que à des petites échelles, ce qu'on voit, c'est du comportement linéaire. C'est ça que je suis en train de dire. Mais la trouvaille formidable d'Eskin et Margulis, ben parce que, évidemment, à petite échelle, on voit bien qu'on part. Mais comment contrôler les moments où on revient, hein? C'est-à-dire, dans la théorie des flots unipotents, ce qui se passe, c'est quand on passe à un moment, c'est exactement le même dessin. Vous arrivez par un flot, mais ce flot, il a une divergence lente. D'accord? Donc, ce que vous dites, c'est que si vous passez à un moment très près par votre flot, alors justement, il ne peut pas entrer. Hein, vous avez un flot, la théorie des flots unipotents, c'est ça qui se passe, c'est ce dessin-là. Vous arrivez par votre flot unipotent, puis vous savez que vous rentrez dans une toute petite bande. Hein? Et alors là, juste la linéarisation vous dit que si vous passez un temps t dans une toute petite bande, ben vous passez 1000 fois t, par exemple, dans la bande un peu plus grosse. Juste parce que vous connaissez le comportement des flots. Ici, c'est très différent. Hein? Le temps, si vous regardez juste le comportement des marches aléatoires, vous ne passez pas beaucoup plus de temps là-dedans que vous n'en passez là-dedans. C'est essentiellement le même temps, parce que vous dilatez à vitesse exponentielle, vous ne dilatez pas à vitesse polynomiale. OK? Donc il faut une autre technique. C'est une technique qui est d'un autre esprit. Parce que pour les flots unipotents, hein, c'est de toute façon, comme vous partez très lentement, ben, si jamais vous êtes parti là, vous partez à vitesse polynomiale. Donc quand vous êtes passé là un petit peu de temps, vous avez passé énormément de temps près, mais un peu plus loin.
D'accord ? Là, vous partez à vitesse exponentielle. Si vous passez à temps 1 là, vous passez à temps 1 dans la grosse bande au plus. Vous allez sortir très très vite. Et alors, du coup, c'est super compliqué, parce que si vous essayez de le faire qualitativement, ce raisonnement, hein, non pas avec cet objet global qui est la fonction U, mais avec juste le raisonnement que je viens de dire, vous n'arrivez absolument pas à contrôler. Hein. Donc il y a quelque chose qui, quelque part, il faut utiliser la propriété de Markov. Le fait que, quand on est parti, si on revient ou pas, c'est indépendant, ça dépend juste de l'endroit où on est arrivé. Hein. Et comment on l'utilise ? On l'utilise à travers cette fameuse formule PU plus petit que U plus C. Il y a quelque chose d'hyper malin là-dedans, hein, qui est vraiment inventé par Askin et Margulis, c'est renversant. Quoi. C'est-à-dire que cet objet global, l'analyse locale, a priori, quand on regarde juste les trajectoires, ben c'est insuffisant parce qu'on part trop vite. Alors que pour les flots unipotents, tout marche parce qu'on part lentement. Là, on part très vite. Et donc, il faut un objet global qui permette de dire qu'on part trop vite et qu'il y a peu de chances qu'on revienne. Et cet objet global, c'est ça. C'est PU plus petit que U plus C. Là. C'est cette équation incroyable, une équation formidable. Voilà. Est-ce que vous me laissez encore un peu de temps pour vous... Vous n'avez pas le choix, en fait, hein ? Non ? On continue un poil ? On arrête ? On arrête, non, c'est ça ? Il faut arrêter ? Ok. Donc, la prochaine fois, je montrerai précisément, à partir de cette propriété, l'équidistribution, hein, pourquoi la classification des mesures stationnaires, ça implique l'équidistribution, et puis je commencerai à rentrer dans le corps de la preuve de la classification. Voilà.